Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance biotech alignement dentaire et orthodontie invisible. Alors, je me présente, je suis le docteur Patrice Bergeron. J'ai fait mes études de dentaire et d'orthodontie à l'Université de Lille. J'ai ensuite fait le SEXMO en 1995 et j'ai fini la spécialité en 1999. Alors, tout d'abord, pendant mes études, j'ai appris l'orthodontie, j'ai appris le multibag, c'est essentiellement, on avait la technique de bec, des techniques, mais essentiellement de l'arc droit. Et l'orthodontie fonctionnelle des jeunes enfants, mes professeurs avaient chacun un petit peu leur type d'orthodontie, on s'était habitué. Sorti de la spécialité en 1999, dans mon cabinet, j'ai continué les bagues d'orthodontie multibag externe, mais je me suis passionné pour l'orthodontie linguale, l'orthodontie invisible. Et en 2001, quand est arrivé des États-Unis les systèmes d'aligneurs, j'ai commencé les premiers cas d'aligneurs, je suis rentré dans les plus gros groupes de recherche. Et maintenant, depuis 2011, je ne fais que de l'orthodontie avec des aligneurs. Alors, je vais essayer de vous partager un petit peu cette passion, ces changements. Depuis 19 ans maintenant, je fais de l'orthodontie par aligneur. Et maintenant, en exercice exclusif depuis 8 ans. Alors, ce qui a beaucoup changé ma vie ces 6 derniers mois, la découverte d'un nouveau système et d'une nouvelle technique qui a vraiment changé ma vie. J'ai ces derniers jours et ces derniers mois rencontré des gens et discuté de toutes ces recherches que je vais vous partager. Alors, d'abord, forcément, une petite pensée pour tous nos confrères et tous ceux qui ont des difficultés en ce moment, qui doivent répondre aux urgences. Alors, sachez qu'on est tous avec vous, on est tous derrière vous et je suis content de partager cette conférence et d'être présent sur ce site biotech. Et je remercie vraiment l'équipe pour cette magnifique organisation. J'ai appris depuis 15 jours énormément, tous ces conférenciers qui partagent leurs cours, leurs devoirs. J'espère vraiment que vous allez prendre du plaisir dans cette séance. Ici, juste une petite vidéo, vous voyez, avec des caméras thermiques pour montrer un petit peu tous ces flux qui se baladent. Et c'est vrai que de créer ces conférences vidéo, eh ben, ça nous permet d'être derrière de nos écrans et puis de partager et puis d'apprendre peut-être un peu plus pour notre savoir. Alors, j'en profite aussi pour remercier la société Biotech qui est spécialisée dans les masques et qui a offert tous ces masques à l'université. Pour notre part, on va offrir plus de 100 masques, je pense, sur Genève dès qu'on les a reçus à ceux qui en auront besoin. Alors, l'alignement dentaire et l'orthodontie invisible. Alors, la première chose à comprendre, c'est l'évolution de l'orthodontie. Si on regarde l'orthodontie dans le temps, la première chose ou les premiers systèmes pour l'alignement dentaire étaient déterminés par Andrews en 1972 avec les cyclés d'occlusion normale. Et Andrews, quand il voyait l'alignement des dents, il disait la première chose à faire, c'est d'avoir une relation molaire de classe 1, une clé qui est encore beaucoup utilisée et qui est dans un équilibre global. La deuxième chose, il fallait avoir une angulation des couronnes relativement droite. On voyait bien les couronnes incisives ou canines qui soient bien dans l'axe. Donc ça, c'était la deuxième clé. La troisième clé, c'était l'angulation, ce que nous on appelle le torque, pour avoir des contacts incisifs, pour avoir un angle de Slavicek qui est assez correct et qui permet des bons mouvements masticatoires et de l'appareil manducateur. La quatrième clé, qui est plus l'alignement, bien sûr, c'est l'absence de toute rotation pour que ces lignes de déflexion des aliments et l'alignement d'arcade soient correctes. Alors, c'est vraiment le thème d'aujourd'hui. Des contacts serrés, bon, bien sûr, parce que pour pas qu'il y ait de bourrage alimentaire et que les dents soient bien au contact des unes des autres. Et le plan d'occlusion, où là, Andrews prévoyait un plan d'occlusion plat. Et vous verrez qu'aujourd'hui, j'ai changé un petit peu ces concepts et que moi, je préconise autre chose. Alors, bien sûr, pour développer ces résultats, pour avoir ces résultats, il a développé une analyse céphalométrique et un jeu de braquettes. Alors, ça, c'est mon premier cabinet en 1999. Je faisais mes plans de traitement. Vous voyez derrière ici les moulages qui étaient là. J'avais vu une patiente première fois et après, je leur faisais avec cette téléradiographie. On est il y a 20 ans, mon plâtre et parfois des analyses où j'essayais de faire des calculs pour leur démontrer l'intérêt du traitement et de comment on pouvait gagner de la place. Alors, notre référence esthétique était souvent celle-là. Alors, vous voyez ici les lèvres et le profil. Alors, si on regarde ici en 1907, Angle, il faisait des profils assez droits. Il essayait de rentrer un petit peu les lèvres. Ensuite, Château, il a commencé à prendre un petit peu derrière pour moins faire des profils trop rétrusifs. Schwartz a essayé de créer une angulation entre les deux
pour avoir une décadence des lèvres. Steiner, il a pris une lèvre. Alors là, on a Ricketts, 1957. Alors ça, c'est une ligne que je vois souvent encore pour représenter l'esthétique en orthodontie. Bon, ça, c'est vraiment des concepts qui sont anciens aujourd'hui. L'orthodontie esthétique est beaucoup plus complexe. Et c'est encore ces vieilles références qui parfois sont QAisées, mais qui montrent juste qu'on essaie de prendre Patrice, des rapports. Patrice, excusez-moi de vous interrompre, Jalal. Je pense qu'il y a un problème, que la diapo, ce n'est pas la bonne slide. Je pense que ça n'a pas avancé. On est toujours sur alignement dentaire orthodontie invisible. La diapo, tu as des petits rectangles. Ah, la vidéo ne s'est pas lancée alors. Non. Ça, en fait, c'est une vidéo, donc vous n'arrivez pas à voir la vidéo. Non. Alors, peut-être qu'il faut se déconnecter de partage d'écran et refaire. Peut-être que... Je ne sais pas si ça a bloqué. Ah oui, si vous n'avez pas les... si vous n'avez pas les diapos, là, ça va être un petit peu long pour là, vous. Là, je pense qu'il s'est bloqué. Donc, est-ce que vous pouvez revenir déjà en arrière? Voir ouais. Si ça marche. Parce que là, il est bloqué chez nous. OK. Alors, je vais essayer de déconnecter et je vais relancer la vidéo. Ça marche. Parfait. Vous voyez la vidéo? Non, là, on voit... Non, là. Vous voyez pas la vidéo? Non, c'est toujours le même écran. Chez nous, ça bouge pas. En fait, il y a une vidéo qui se lance. Je pense qu'il faut se déconnecter de tout le partage et refaire partager l'écran. Et essayer. Arrêter la vidéo. Nouveau partage. Oui, peut-être que dans le partage, il faut aller chercher une vidéo. Non, normalement, ça s'affiche seul dans le PowerPoint ou le Keynote. Est-ce que vous arrivez à vous déconnecter? Je pense que c'est en haut à droite. Il y a... Ouais. Vous avez toujours rien? Non. Nous, on voit la même chose. Vous êtes déconnecté, en fait? Alors, ne bougez pas. Je vais me déconnecter. Sinon, fermez la présentation et réouvrez-la, peut-être. D'accord. Vous voyez quelque chose ou pas? Là, pour l'instant, on ne voit pas de partage d'écran. Il faut repartager l'écran. Alors, je vais rejoindre la réunion. Non, c'est bon, vous êtes à la réunion. Il faut juste partager l'écran avec la flèche verte. Voilà. En bas, flèche verte. Alors, je vais juste connecter. Par TeamViewer. Ou alors là. Patrice, en bas de l'écran, vous voyez la flèche ouais. Verte. Aziz, tu peux te connecter, s'il te plaît. Oui. Allez, si tu peux mettre la vidéo. Alors, on va essayer de vous remettre la vidéo parce que c'est vrai que là, je montre toutes les lèvres de profil, enfin, l'explication d'Andrews. C'est intéressant le temps qu'on arrive à reconnecter. C'est intéressant de comprendre que l'orthodontie a beaucoup évolué. Et je dis souvent, l'orthodontie est un métier jeune et les premiers spécialistes en France sont sortis en 1981. Alors, il faut bien comprendre que du coup, les concepts qui ont été créés, puisque là, on a vu que c'était en 1972, bah, ces concepts aussi ont évolué. Et d'ailleurs, on va voir dans la suite, en fait, que Andrews lui-même, en dehors de six clés d'occlusion qu'il avait créées, finalement, il a créé ensuite six clés d'harmonie faciale, où l'occlusion n'est qu'une des clés. Alors, le but de cette petite présentation de l'évolution de l'orthodontie, c'est que bien sûr, on parle d'alignement des dents. Et je me souviens, quand j'ai créé le mot aligneur en 2003, j'avais beaucoup de mes confrères qui m'avaient dit « Mais Patrice, on fait de l'orthodontie, on ne fait pas de l'alignement. » Sachez que moi, mon titre, je suis spécialiste en orthopédie dentofaciale. Donc, mon métier, c'est la croissance, c'est l'orthopédie, c'est les mâchoires, c'est le visage. Ce n'est pas l'alignement des dents lui-même.
Mais c'est vrai que l'évolution du temps moderne fait que l'alignement est devenu quelque chose de demandé. Alors, vous verrez, je ne sais pas si vous avez la livre dans ce livre que j'ai écrit, qui explique un petit peu l'histoire de l'orthodontie. Alors, Aziz, t'es connecté ? Ah, ça y est, moi, je vois tout le monde, Biotech Dentale. Donc là, est-ce que je peux partager ? C'est ouvert, Aziz. Le code, il faut me redonner le code, alors. Il a changé le code. Alors, juste le temps qu'il se connecte, comme ça, en fait, quelqu'un prend la main, la technologie, ça fonctionne. Donc, je vous disais, dans ce livre, quand on parle de l'alignement et cette demande d'alignement, c'est vrai que c'est une partie de l'orthodontie. Et aujourd'hui, quand on m'a demandé de faire cette conférence sur l'alignement et l'orthodontie invisible, il est vrai que cette introduction, peut-être que je vais passer et qu'on va voir, mais que je peux vous expliquer, c'est vraiment de dire que l'alignement n'est qu'une partie de cette orthodontie. Mais finalement, elle est la base. Alors, il est vrai que l'alignement des dents, c'est quelque chose qu'on ne parlait pas trop parce que, avec la technique des bagues et des fils, c'est quelque chose qu'on obtient assez vite. C'est-à-dire que quand vous collez la bague au bon endroit et que vous mettez un fil, vous avez ce qu'on appelle, nous, le nivellement. C'est-à-dire qu'on met les dents à niveau. Donc, on arrive à les mettre à niveau. Et depuis qu'on a évolué sur des fils où avant, on avait des fils qui étaient assez rigides, où il fallait faire des boucles dessus pour que le fil il arrive à passer entre chaque bague et en fait à aligner les dents. C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles bagues, les clapets qui sont automatiques dessus et le fil qui vient dedans, avec du fil, on arrive à avoir un alignement assez, je ne dirais pas facilement, mais automatiquement, par contre, par le système. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'alignement, il faut aussi le contrôler dans tous les sens, y mettre des limites. Là, c'est la deuxième partie qu'on va voir. Et dans ces limites, en fait, comment on va créer le cadre de cet alignement. Alors que là où peut-être il y a un défaut, c'est l'évolution des fils thermiques, c'est qu'il faut souvent choisir un film pour un patient et que finalement, on est parfois bloqué dans un certain choix. Et là, je pense qu'avec ces systèmes, on va avoir quelque chose de plus individuel. Alors, juste Aziz, t'es connecté ? Jalal, vous m'entendez ? Oui, Patrice, oui. Vous n'arrivez pas à partager ? Alors, je partage l'écran. Oui, s'il vous plaît. C'est bon ? C'est bon, vous l'avez ? Très bien, oui, très bien. Il faut... Parfait, on voit bien. Okay, c'est juste les vidéos que vous n'avez pas. Là, je ne sais pas où la vidéo, parce que là, on ne dirait pas qu'elle est dans le diaporama. Oui, c'est bon, là. Vous voyez c'est la bon, vidéo, là ? C'est bon, oui, parfait, parfait. Voilà, petit problème technique, c'est vrai. Alors, on a vu les cyclés de l'occlusion. Donc, ce que je parlais du profil, c'est ici. Vous voyez le profil qui était un peu droit en 1907. 1957, le profil de Ricketts, où on intervient l'élève, qui est encore une référence aujourd'hui, mais qui change. Alors, si vous demandez la même chose à Andrews et vous lui dites qu'est-ce qu'il en pense, en fait, il revient sur sa méthode dans un interview en 97 dans la revue d'orthopédie dentofaciale française en disant « Je crée maintenant six éléments de l'harmonie orofaciale. » Alors, vous avez défini vos objectifs occlusaux, les fins de traitement, les moyens de les obtenir, un jeu de 11 attaches. Comment vous définissez votre diagnostic aujourd'hui ? Alors, Andrews, il répond qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai utilisé ma propre analyse céphalométrique, mais depuis le progrès de la chirurgie, la céphalométrie est devenue obsolète. Nous ne devons plus faire de compromis entre la position des dents et les décalages scolastiques qui ne respectent pas l'harmonie faciale. Donc, on va dire qu'il va donner les limites du cadre pour ne pas justement ses lèvres et tout dans le profil. Dans le cas de décalages structuraux, il faut appel à la chirurgie qui apporte une normalisation des bases. J'ai repris ma réflexion pour définir de nouvelles références et je définis six éléments de l'harmonie maxillofaciale. Une autre chose, vous voyez que j'avais vu de Comoris, faire de l'orthodontie, c'est ouvrir grand son regard sur l'avenir du jeune patient que nous traitons et ne pas oublier que c'est un être humain qui nous est confié et non un moulage, une radiographie, mais un ensemble psychique qui pense, raisonne et cherche à travers son esthétique le contact avec autrui. Alors, une autre chose, vous voyez, c'est... j'ai vu une conférence où, quand le mur soviétique est tombé en 1947, en 2000, pardon, il y avait un prisonnier qui était là depuis 1947 et on lui a dit
Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir aujourd'hui, après 53 ans d'enfermement, pour des raisons qui dépassent tout le monde? Qu'est-ce que vraiment vous aimeriez avoir? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et finalement, ce qu'il a demandé, c'est un miroir, c'est-à-dire qu'il voulait voir ce qui ressemblait au bout de 53 ans. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les générations d'aujourd'hui. Alors, j'ai écrit en 2005 cet article sur justement le cadre facial, l'harmonie, et j'ai fini par créer une société scientifique qui se fait au, sur laquelle on va déterminer 100 points sur le cadre facial, le visage, l'espace du sourire, la position des dents, l'occlusion. Comment finalement on peut aujourd'hui tout intégrer? Alors, c'est vrai que tout intégrer, c'est plus facile avec la technologie, l'informatique, avec des règles, c'est-à-dire, un, ne pas nuire, donc essayer d'éviter les extractions, les mutilations, essayer d'être soft, et après le sourire du visage, le sourire des dents et l'occlusion. Mais en essayant de refaire plus une occlusion basée sur des concepts de dentisterie qu'une occlusion basée sur un système multi-attache ou pour un système de verrou préfabriqué, quelque chose qui va devenir plus gnatologique et plus normal. Alors, bien sûr, le sourire des dents, le sourire du visage, le sourire des lèvres, le sourire des dents. Et après, pour ce qui nous intéresse dans cette conférence, l'esthétique de l'appareillage et l'invisibilité. Alors, bien sûr, bon, on a créé des logiciels, on essaie de tout intégrer, que ce soit au niveau morphologique, nos critères habituels, mais aussi au niveau fonctionnel. Même si on est dans l'alignement, on ne va pas oublier aussi qu'on est vraiment dans un système qui intègre la respiration, le airway, le système respiratoire postérieur, la déglutition au niveau de la langue, les articulations temporomandibulaires, l'occlusion et la posture dans la globalité. Ce n'est pas le thème de la conférence maintenant, mais n'oubliez pas que dans l'alignement, on va essayer d'en prendre en charge. Alors, bien sûr, si on demande à des journalistes, qu'est-ce que vous pensez d'un beau sourire? Les gens, ils vont dire, le beau sourire, 71% des dents bien alignées et 62% des dents blanches. Alors, maintenant, tout le monde veut un beau sourire. Et il est vrai qu'avant, les peintres ne peignaient pas le sourire parce que les gens n'avaient pas des dents d'une qualité qui permettait de les mettre en place. Alors, vous pouvez retrouver dans mon livre sur le beau sourire, vous voyez, la beauté non seulement d'un sourire, mais aussi de la personne tout entière, est un mélange de critères subjectifs et objectifs. Une coordination de trois éléments, l'esthétique, le charme et la mode. Alors, bien sûr, il faut vraiment qu'on sépare le subjectif de l'objectif. L'esthétique, c'est quelque chose d'objectif. Et dans ces objectifs, il y a un livre qui était très intéressant, c'est « Le que sais-je » de Denis Wiseman, qui est vraiment quelqu'un qui connaît l'art, qui connaît l'esthétique, qui travaille sur ces données et qui finit sa conclusion en disant « Si l'esthétique refuse d'être rigoureuse, précise et positive, elle cessera d'exister. » Et là, c'est vraiment notre rôle à nous, dentistes, orthodontistes, spécialistes du sourire, de devoir répondre aux patients dans ces domaines. Alors, du coup, on est compétent pour parler du sourire du visage au repos, le visage qui sourit. On est compétent pour parler des lèvres, donc la position des lèvres, les ombres noires, la beauté des gencives, la position, la hauteur des lèvres, leur épaisseur, et la dent, bien sûr, l'alignement, la partie qu'on va voir maintenant, mais il y a aussi la blancheur, l'organisation spatiale, la taille et la forme. Donc, alors, toutes ces possibilités, et on va le voir après, on les retrouve dans cette nouvelle plateforme que j'utilise depuis 6 mois et qui est la plateforme Nemotech, qui pour moi vraiment est un changement radical parce que, d'abord, toute cette plateforme est libre et on arrive à mixer en fait le visage, les fichiers STL, les fichiers du CONBIM, faire des simulations et avoir un résultat pratiquement assez naturel. Alors, on a compris comment évoluer, on prend tout en charge et maintenant on va vraiment parler de l'alignement et comprendre qu'est-ce qu'apportent ces nouvelles techniques dans l'alignement. D'abord, souvent les gens disent que l'alignement c'est juste quelque chose d'esthétique. Non, il ne faut pas oublier que l'alignement aussi, ça fait partie de la santé et que ce patient qui est ici, quand il brosse ses dents, il a du mal à avoir accès partout. Donc, il a des amucculations de plaques où la brosse à dents, elle ne peut pas aller à tous les endroits. Donc, l'alignement permet quand même une meilleure hygiène et permet d'éviter ces accumulations qui vont aussi passer forcément au niveau du tissu gingival et bien sûr au niveau médical dans tout le corps qui peut passer dans le système sanguin jusqu'aux endocardites bactériennes que j'apprenais à la fac. Donc, je pense que l'alignement a aussi ce facteur-là. On voit aussi que l'emboîtement des dents, le mauvais emboîtement, crée de mauvaises usures. Et on a des espaces où on a des caries et on voit qu'une fois qu'on a réaligné les dents, elles s'étaient vraiment usées. Alors ça, c'est important pour comprendre le stripping, les surfaces qu'on refait pour le maintien, pour la contention de ces espaces. Mais on voit que l'alignement, s'il a un effet
forcément sur l'esthétique et la beauté qu'on demande, il doit être aussi intégré dans la globalité, dans la fonction. Alors, voyez quelques cas d'alignement, donc des cas qui sont simples. Le plus dur dans ces cas d'alignement, en fait, c'est de trouver la place. Là, c'est intéressant par rapport aux aligneurs, c'est que dans des cas comme ça, où vous avez des prothèses ou un mélange en fait, de dents qui est le passé de l'adulte, on arrive à avoir en fait, une coque. Et comme la coque elle est faite par rapport à la dent, que ce soit un cube, une dent, parce que le prothésiste n'a pas fait une forme idéale, ce n'est pas un bracket préfabriqué. Donc, on arrive vraiment à s'adapter facilement et à regérer l'organisation des dents naturelles dans les chevauchements qu'il y a eu. Je me souviens que cette patiente n'y croyait pas et que finalement, elle est contente. Et vous voyez ici ces inflammations qu'on voit au niveau des gencives, parce que c'est difficile. Ben, on arrive avec ces systèmes d'alignement dentaire et de bouture, une fois qu'ils sont bien maîtrisés, de retrouver l'alignement et de retrouver une confiance et une motivation. Alors, le but de l'alignement dentaire, bah, c'est à la limite d'éviter, sous la pression de la demande du patient, d'être obligé de faire des prothèses. Et finalement, parfois parce que le tissu n'est pas beau, il est abîmé, mais on se retrouve à faire des prothèses et parfois dévitaliser les dents. Et on sait que vraiment, ces vieillissements, si elles sont dévitalisées, bah, parfois ça a du mal à vieillir et c'est très difficile dans le temps pour le patient, parce que rien ne remplace une dent naturelle. Et il y a vraiment une différence entre cette orthodontie esthétique qui est vraiment naturelle et la prothèse. Alors bien sûr, l'orthodontie esthétique est un peu plus longue, mais elle restera toujours naturelle. Et j'aime bien ce petit mot sur l'esthétique de Paris qui dit, voyez, les dents naturelles ont une couleur à trois dimensions, saturation, alors que les dents artificielles présentent l'antidimension, l'opacité, l'ennemi du naturel. C'est bien pour cela que les sourires doivent être restaurés au prix biologique minimum. On préfère un éclaircissement des composites à des coronoplasties et des facettes à des couronnes. Tout est là aussi une réflexion d'esthétique. Alors, c'est vrai que c'est vraiment cette situation de dire on peut aujourd'hui naturellement repositionner les dents si ça a été bien appris et si c'est bien mis en place. Pratiquement, c'est quelque chose qu'on peut proposer à tous les patients. Alors, on n'est pas dans le cadre de l'orthodontie, mais dans le cadre de la santé et du bien-être du patient, qui est aussi une base de la santé. Alors, bien sûr, le plus difficile, c'est de calculer le manque de place. Alors, on va voir à travers cette patiente un cas pour essayer de comprendre comment on peut intégrer les nouveaux outils développés par Nemotec et Smilers pour calculer le manque de place. Alors, vous voyez cette patiente un petit peu divergente, un petit peu sourire étroit, un encombrement en haut, un encombrement en bas. Une classe 1, en fait, c'est difficile, même pour un orthodontiste, de calculer comme ça à l'œil nu le manque de place qu'il y a réellement, une fois qu'on aura reformé l'arcade, quelles sont les limites qui nous permettent en fait de dire au patient oui, c'est faisable, mais où gagner la place et comment gagner de la place. Alors, pour le calcul de l'encombrement, la technique était assez simple. On calculait le repositionnement incisif. Donc, sur les radios, on repositionnait l'incisif puisque la repositionner consommait de la place. Et ensuite, en fait, on faisait le calcul à l'IDM, c'était les sommes mésodistales. On prenait un fil à la limite, on faisait la mesure, on calculait et on arrivait à calculer le manque de place. Alors, c'est pas, faut pas voir ça comme l'artisanat, c'est l'évolution. Il y a une différence en fait entre le calcul mental et le calcul informatique. Et on essayait à partir de là de faire un plan de traitement au patient. Tout avec le système multibag, le fait de niveler la courbe de Spee et la courbe de Wilson. Alors, pour moi, en fait, la courbe de Spee et la courbe de Wilson sont des courbes gnatologiques naturelles parce que l'articulation temporomandibulaire est placée plus haute que le plan d'occlusion. Donc, forcément, on a besoin de ces courbes de Spee et de Wilson. Alors, c'est difficile avec un fil d'avoir des courbes de Wilson. Avec un système d'aligneur, en fait, on déplace la dent où on veut. Donc, on peut garder les angulations comme on veut. On peut avoir quelque chose qui, à mon avis, est plus physiologique et plus gnatologique. Alors, il ne faut pas oublier d'intégrer l'enveloppe de discrepancy, c'est-à-dire de voir les corrections qui peuvent être faites aussi par la chirurgie, par les mini-vis, par l'ancorage, puisque ça, il va falloir l'intégrer dans le plan de traitement. À partir de là, chez Smilers, il existe plusieurs solutions et plusieurs niveaux pour gérer l'encombrement. Alors, le premier niveau, c'est l'expansion, c'est-à-dire qu'on va chercher en élargissant, gagner un peu de la place, et finalement de voir si on arrive à tout mettre dans les limites physiologiques qu'on va étudier. Après, on a les versions, mais faire attention parce que le patient a les dents alignées, mais a tendance à les avoir en avant. Ensuite, on a le stripping, la distalisation, et après les extractions dentaires. Donc on a essayé chez Smilers
de repenser complètement le plan de traitement en fonction du diagnostic, plus en fonction des données qu'a besoin un laboratoire. Mais vraiment essayer de repenser le software et repenser un plan de traitement en fonction du patient et en fonction du diagnostic du praticien. Comme dans une relation directement avec le patient, on lui explique la retranscription du plan de traitement doit être la même. Donc, chez Smilers, on utilise le logiciel Nemotech. Alors, une parenthèse pour Nemotech, c'est magique. C'est Nemotech, c'est si vous y rêvez, en fait, Nemotech l'a fait. Alors, Smilers Editor, Smilers depuis longtemps utilise Nemo, et maintenant, Biotech est propriétaire de ce logiciel et toute la suite Nemo appartient à Biotech et je pense que ça, c'est extraordinaire. Alors, vous voyez en fait les superpositions entre les dents avant et après. Et là, en fait, on va calculer par informatique exactement la position. Donc, on va se donner les limites de l'expansion. On va les mesurer au millimètre près. Par dent, on va pouvoir avoir des outils qui calculent exactement et pas au millimètre près, au centième de millimètre près. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des images qui étaient assez jolies, mais qui pour moi étaient plus des images de synthèse, dans lesquelles je n'avais pas les mesures exactement ce que je voulais. J'avais les mesures avec des algorithmes qui m'étaient donnés. Là, c'est vraiment quelque chose de très naturel, mais de très réel, en fait. Vous avez une vraie image réelle. Un peu plus longue parce qu'on est en haute définition, mais on a une vraie image qui nous permet de calculer les distances, de calculer, de faire les superpositions. Alors, ça, pour moi, c'est un peu magique parce que c'est Nemocast. Avant, j'utilisais notre parc d'aligneurs et en fait, j'avais accès à un système pour modifier les dents. Mais je n'avais pas accès au système qui était réservé aux techniciens. Donc là, vous avez absolument toutes les mesures en une microseconde. Alors, pour calculer la place, c'est plus facile. Pourquoi ? Parce que quand on a, même si vous ne faites pas d'élargissement d'arcade, si vous changez un peu la forme d'arcade, à chaque déplacement d'une dent, vous gagnez de la place. Difficile de le mettre en mesure. Alors que là, il se met en musique dans l'articulation. Et après, vous voyez les aligneurs qui sont en bouche, donc l'effet invisible, le thème du traitement. Vous voyez ce changement de la forme d'arcade en haut, changement de la forme d'arcade en bas, l'alignement. Finalement, ça a été fait sans extraction. Bien sûr, on respire la respiration, la place à la langue, on change la forme et on arrive à tout recadrer. Or, ce cas que vous voyez là, je l'ai traité il y a 14 ans. Donc, vous voyez, ce n'est pas des choses nouvelles, on n'est pas sur des nouvelles techniques. La seule chose qui est un peu nouvelle, c'est juste en fait le software et la possibilité que nous offre Smilers de par sa liberté de nous faire ce qu'on veut. Alors, un exemple, quelque chose que je cherche depuis longtemps, ça s'appelle le timeline. Aujourd'hui, quand j'ai le timeline, je vois les dents qui se déplacent à chaque étage. Chez Smilers, quand je vois le timeline qui est ici, vous voyez, je vois non seulement les dents qui se déplacent à chaque étape, mais je peux moi-même l'allonger, le raccourcir pour dire ce mouvement, non, j'estime que là, on peut le faire plus lentement ou plus rapidement. C'est pas, par exemple, quand j'ai enseigné les aligneurs et je disais toujours aux dents, voilà, les mouvements, il est de 0,25 mm par aligneur. Mais 0,25 mm, ça ne veut pas dire grand-chose. L'ingression est antiphysiologique, l'égression, ce n'est pas la même chose, la vestibuloversion, la translation. Ensuite, on avait une inclinaison de 1 degré. Mais c'est pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça dépend du mouvement. Il y a une différence en fait entre un laboratoire qui impose des chiffres et un laboratoire qui va s'adapter et qui va vous donner la possibilité d'accéder à tout. Donc là, on peut réduire, allonger le traitement. Alors, moi, ce qui me change, c'est qu'aujourd'hui, j'estime que la durée des plans de traitement que je fais par mes patients, le fait d'avoir le droit à l'accès qu'on m'a refusé avant, j'avais des techniciens qui étaient au Mexique, donc c'était des Mexicains qui avaient accès à ça, qui n'avaient pas ma formation, je pense, en tout cas, je ne pense pas qu'ils aient ma formation, mais c'est eux qui modifiaient. Moi, je n'avais pas le droit. Maintenant, aujourd'hui, je peux le faire. J'estime que je réduis tous mes plans de traitement pratiquement de 30%. Et dernièrement, j'ai réussi à faire des traitements. On va voir un dernier traitement tout à l'heure qui a duré deux fois moins longtemps. Pas parce que je suis plus fort, mais parce que je suis l'expert de cette donnée et que Biotech me donne l'opportunité de changer moi-même et de ne pas dépendre de quelqu'un qui change. Alors, bien sûr, chez Biotech aussi, la révolution, c'est que pour ceux qui commencent, vous êtes accompagnés par une équipe de dentistes et d'orthodontistes qui sont remarquables. Je pense à Olivia qui vraiment maîtrise mes hautes discussions que j'ai avec Ahmed, avec Arash. Il y a vraiment une équipe derrière qui est extraordinaire, qui peut vous aider et vous soutenir dedans. Et après, vous avez des experts, vous avez le programme expert jusqu'à l'accès à tout et absolument tout le logiciel. Donc, on comprend que le calcul de l'encombrement informatique permet une meilleure précision, puisque dans ce cas-là,
Le calcul à l'œil nu, c'était à peu près 10 mm. Et en réalité, on était à 4,6 mm. Donc, deux fois moins que ce qu'il y avait dans notre tête. Alors, revenons un petit peu plus terre à terre sur l'alignement des dents et comment trouver la place. Et il faut bien comprendre que pour trouver la place, il ne faut pas faire n'importe quoi, il y a des limites. Alors, la première chose, et vous voyez ici, vous avez le plan de traitement Smilers qui est vraiment pensé par rapport au diagnostic. Et aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qu'on cherche pour trouver de la place? D'abord, expansion, pour que le sourire soit un peu plus large, qu'il y ait plus de place dans la bouche. Ensuite, vestibuloversion, mais attention, les dents n'aiment pas trop les gens trop inclinés. Le stripping, attention, les gens, c'est aussi une étape qu'il faut leur parler parce qu'il faut leur expliquer les avantages et les inconvénients. La distalisation, mais là, qui est un niveau un peu plus élevé. Et l'extraction, qui est niveau 3. Donc, vraiment des plans de traitement qui sont pensés par rapport au diagnostic. Vous voyez, là, c'est la solution. Alors là, on voit, vous voyez, l'expansion. Donc, on voit qu'en élargissant, on gagne de la place. Bien sûr, ça élargit le sourire. Mais on a des limites anatomiques. On ne peut pas aller n'importe où. On a la limite des joues, on a la limite de l'os, on a la limite globale. Et il faut revenir sur des choses médicales. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut garder l'équilibre du patient, connaître ses limites, les étudier. Alors, bien sûr, pour les étudier dans le sens transversal, nous, orthodontistes, avec les téléradiographies, c'est difficile parce que ça écrase. Maintenant, avec les coupes tomographiques, on a une meilleure visibilité de ce qui peut se passer. Et surtout, aujourd'hui, avec Smilers, vous avez le déplacement des racines. Alors, il faut bien comprendre que dans l'expansion, on peut avoir une expansion qui est une translation. Attention à la limite vestibulaire ici, puisque l'os y remonte. Donc, attention. Mais on peut avoir une expansion en faisant une légère version. Donc, vous voyez qu'avec les deux pointes du stylo, en fait, je fais une sorte de coupe comme une gouttière. Et on peut avoir une version. Attention à la jonction émail-cément. Si on fait une version, on peut avoir des déchaussements et des pertes. À l'inverse, si on fait un torque à l'intérieur, on peut regagner de l'os et on va avoir des cas. Donc, il faut bien comprendre que dans l'expansion, le mouvement de la dent lui-même, et vous pourrez retrouver ces vidéos sur mes chaînes YouTube de formation, il y a plusieurs types d'expansion qu'on fera aussi dans le niveau expert. Donc, bien sûr, de retrouver des axes qui sont un peu parallèles en postérieur, qui vont vers l'apophyse cristagali, et de limiter un peu ces axes qu'on a fait un petit peu trop rentrer. Donc, vous voyez cette patiente ici. Donc, je vais juste revenir dessus. Donc, vous voyez, recréer un peu d'expansion tout en rentrant la jonction émail-cément, en refaisant la dent plus droite. Et là, on va se retrouver, vous voyez ici, en fait, cette dent qui pourrait se dénuder puisque l'axe ressort. Et maintenant, on le verra grâce à Smilers parce qu'on peut intégrer le cone beam directement, simplement dessus. On peut l'intégrer. Donc, vous voyez, voilà des cas où on fait l'expansion limitée. Donc, le cone beam, pour nous donner les limites de là où on peut faire, on voit que les limites, elles sont faibles, l'intégrer, et bien sûr, ce changement du sourire qui prend plus d'ampleur tout en gérant l'encombrement mandibulaire. Vous voyez un autre cas ici d'articulé inversé. Donc, à savoir après si c'est chirurgical ou si c'est anatomique. Alors là, on voit qu'il y a un problème d'angulation de la dent qui a créé justement ce contact. Donc là, ici, on va remettre l'axe par version dans ce cas-là et pas par translation pour recréer les forces au niveau des zones notes de la l'apophyse cristagali et recréer en fait l'environnement esthétique et l'articulé inversé. Bien sûr, dans des cas comme ça, là, on voit que c'est chirurgical et que si on veut faire de la compensation, on ne pourra pas obtenir un résultat, on pourra juste obtenir une amélioration parce qu'on a vraiment un problème anatomique. Donc, même dans l'alignement, ne pas oublier ces problèmes anatomiques. Alors, la révolution, elle est là. En fait, c'est… C'est comme si vous rêvez des choses, vous voyez, c'est comment à un moment vous faites le scanner, à un moment vous faites l'empreinte STL, après vous faites les photos, comment tout intégrer? Chez Pneumotech, en fait, c'est un logiciel libre, c'est extraordinaire, libre, parce que vous voyez, moi j'étais par exemple à iPhone, je passe à Huawei pour des applications du cabinet, je suis libre, je me connecte, je peux avoir mes données. Chez Pneumotech, tout est libre, vous mettez, vos données, elles sont accessibles. En fait, et le logiciel va prendre le fichier STL et le fichier du cone beam, il va prendre des points et il va les switcher. Automatiquement, il va les matcher l'un avec l'autre et vous verrez du coup la racine et l'os. Donc, c'est une évidence en fait, c'est ce qu'il faut. On ne peut plus continuer à travailler avec des images de synthèse. Aujourd'hui, on est dans un monde virtuel où finalement, tout ce qui est naturel, tout ce qui est vrai va revenir en force. Il faut revenir à des choses vraies. Des fois, vraiment, vous savez, ce logiciel a été créé en 1992. Le fondateur, c'est Miguel. Donc, depuis un an, il appartient à Biotech. Écoutez, c'est un génie, c'est des génies. Enfin, c'est,
j'ai jamais rencontré depuis 15 jours autant de génie, autant de passion. C'est extraordinaire parce que finalement, on a tous ça dans la tête. Mais là, c'est pas dans la tête, c'est réel, c'est vrai, ça existe, ça marche, ça fonctionne. Cette option, en fait, elle est créée. Vous voyez ici, vous avez l'option sur le plan de traitement Smilers. Vous pouvez coupler une arcade ou deux arcades. Vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc, vous l'envoyez, ils vont le faire directement en couplant les fichiers. Et vous voyez les fichiers qui se coupent ou c'est vous. Alors, bien sûr, après cette intégration sur la photo du visage, on remet, on refait. Donc là, on a le setup réel qui va venir au niveau des dents. Donc forcément, pour cette largeur, bah, on connaît notre limite. Et là, vraiment, on a la limite qu'on peut avoir avec le code BIM. Donc, la première chose qu'on a fait dans le plan de traitement pour essayer de refaire quelque chose de logique, c'est de gérer d'abord l'expansion. Quelle est la limite de l'expansion? Une fois qu'on donne au technicien la limite et la forme, version ou translation, on va passer aux limites antérieures. Comment, antérieurement, on peut limiter la position? Alors, si on regarde toujours ce plan de traitement qui est fait dans cet ordre, donc d'abord l'expansion, les limites, comme ça le technicien ici jusqu'où vous voulez aller, pas plus loin ou pas, et bien sûr vestibulé, mais attention, vestibulé, on a quand même les tissus qui sont devant, on a une gencive qui est fine, alors il faut revenir à des techniques médicales, il faut remettre le doigt, palper la gencive, regarder pour connaître les limites, faire attention à ce qu'elle ne part pas trop en avant, parce qu'elle pourrait se déchausser, vous pourriez la perdre, donc la dent doit être dans l'os. Donc il faut revenir à l'anatomie, donc là il y a une malléabilité, mais qui est limite. Mais vraiment, même si on a les code BIM, on est des médecins dentistes, il faut revenir, palper un petit peu la gencive, regarder la gencive, regarder sa forme, mettre une petite sonde, regarder derrière le joint, la jonction, le joint gingival où il est, et intégrer aussi l'anatomie complète du corps, la respiration, la déglutition, la langue. Et il faut savoir qu'on respire pratiquement 24 000 litres par jour, on déglutit 4 000 fois. Tout ça doit être intégré dans un certain équilibre qu'il faut garder et qu'il va falloir intégrer dans la décision de l'alignement des dents. Donc ici, vous voyez, cette langue qui passe, l'airway qui est derrière ici, qui est quelque chose de très physiologique et qui va permettre l'anatomie. Alors, c'est vrai que dans ce système, moi, avant, j'utilisais je faisais l'orthodontie multibac vestibulaire. Et c'est vrai que même si ici, on a un point rectangulaire, quand on aligne les dents, si on aligne sans striper, on n'a pas de garde-fou antérieur. Avec un aligneur, vous avez un garde-fou. C'est un garde-fou. C'est un guide psychologique. Les gens, ils disent, mais ça va être plus, c'est moins précis. Non, c'est beaucoup plus précis. Le guide qui a été fait en 3D, il n'y a rien de plus précis que le guide diagnostique qui a été fait. Et comme la dent, elle est protégée dans la gouttière, elle ne peut pas partir comme ça ou comme ça, à moins que vous l'ayez mal programmé. Alors qu'avec un fil, avec le centre de rotation de la biomécanique, il peut partir en vestibulon. Ce qu'on avait moins en faisant de l'orthodontie linguale, j'arrivais moins à faire alignement. On était obligé de mettre des ressorts pour pousser. Parce que ça dépend aussi du centre de résistance de la dent. Donc, on va voir un cas, par exemple, ici, où vous voyez, on a une DDM très importante. Vous voyez l'incisive au départ, on pense qu'il faut l'extraire. Et après, en fait, on va faire une simulation avec la limite transversale, la limite antérieure, la limite du stripping. Et vous avez vu que là, on a fait 6 fois 0,3. Donc, on a réduit 1,8 mm. On va voir tout à l'heure. Et là, on a exactement la position et la simulation de ce qu'on va faire. Avec cette simulation, on va refaire le plan de traitement. Vous voyez ici, la dent qui était complètement à l'intérieur. On va la repositionner, mais toujours avec un garde-fou. J'estime que la gouttière est vraiment un garde-fou déplacement et permet d'obtenir le déplacement optimum. Donc, une fois que vous faites ces simulations, et puis vous avez le résultat qui correspond à vos données. Et si vous avez géré les limites gingivales, etc., vous êtes au bout. Donc, limite transversale, limite antérieure. Ensuite, la troisième étape, alors, vous voyez ici, par exemple, elle, en fin de traitement, vous voyez le repositionnement incisif, c'est aussi un gain de place qu'on peut avoir dans la largeur. Très difficile de savoir, une fois qu'on a géré la largeur, le positionnement, très difficile de savoir exactement de combien de degrés ou de millimètres est repositionné. Bon, maintenant, avec les setups 3D, c'est fini. Et je pense que l'orthodontie, sans setup 3D, sans prévision, au jour d'aujourd'hui, avec l'information qu'a le patient, le consentement éclairé, on ne peut plus passer à une orthodontie sans mise à disposition de ces outils pour le patient qui, lui, est informé que ça existe et qui veut, avant de se lancer, avant de vous donner sa confiance, il veut savoir où il va aller. Il veut. Et le patient, non seulement il veut, mais il a le droit. Il a le droit de savoir parce qu'aujourd'hui, les outils existent. Alors, l'autre chose, une fois qu'on a trouvé la place en largeur, c'est le stripping. Donc, dans cet alignement, la gestion du stripping, donc bien sûr, pour gagner cette place. Alors, le stripping, je me souviens des cours de Sheridan que j'avais vu en 1995,
lui disait qu'on peut gagner jusqu'à 8 mm par arcade. 8 mm, c'est énorme. Et au maximum, 1 mm par point de contact. En général, on fait entre 0,3 et 0,5. Quand on pose la question à Ricketts, il dit oui, la réponse au stripping. Et à Ross, il dit oui, il est sûrement une place. Et dans un article de JCO en 89, vous voyez, s'il y a une accumulation de plaques, le microscope à balayage électronique n'a pas observé de caries dans les endroits touchés par l'ARS. Donc, il faut vraiment que le stripping il soit fait selon certaines normes. Il peut être utilisé pour le manque de place, bien sûr, mais aussi pour les triangles noirs qu'on aurait entre les dents, pour des décalages de taille de dents entre droite et gauche, qui là aussi, le logiciel nous donnera. Pour les overjets, les surplombs qu'il y a eu, on peut contre-stripper pour finir d'avoir un bon guide incisif et pour les problèmes parodontaux. Alors, bien sûr, dans ces strippings, il faut quand même faire attention des distances entre dents, les distances interradiculaires, mais encore une fois, on a bien vu qu'on pourrait l'avoir. Alors, le stripping est bien sûr plus facile quand les dents sont alignées, puisque là, on arrive à mesurer, mais il faut refaire un contour de la dent et jauger à chaque fois pour mesurer ce qu'on a fait. Et bien sûr, dans des cas de chevauchés, c'est plus une interprétation qu'on va faire du stripping si on le fait au premier rendez-vous qu'un vrai stripping. Donc, voilà les places, voilà ce qu'on met en place entre les dents. L'avantage, c'est qu'on arrive à avoir à la fin une vraie surface de contact, c'est bien fait, et ça crée aussi un meilleur maintien et une meilleure stabilité de l'alignement qu'on a fait des dents. Donc, on peut avoir la manuelle, on peut avoir des limes à stripper, on peut faire des rotors stripping. Enfin, il y a tout un tas de systèmes. Le but de la conférence, ce n'est pas le stripping aujourd'hui, mais c'est bien comprendre que c'est le troisième point qu'on propose dans le plan de traitement Smilers et dans lequel vous devez vous positionner pour savoir oui ou non. Est-ce que le patient là est d'accord? Est-ce qu'il est prêt à l'accepter? Et que vous, anatomiquement, vous sachiez jusqu'à combien de millimètres vous avez le droit de le faire par rapport aux radiographies, par rapport à l'anatomie. Donc, on voit ici le stripping fini. Et bien sûr, en fait, cette position, vous voyez, on a pris la largeur, on a pris le stripping. Et voilà, on arrive à recadrer les dents dans un bon tissu. Et toujours, souvent, quand les dents sont chevauchées ici, vaut mieux resculper un petit peu cette dent-là pour éviter d'avoir trop de triangles noirs qui étaient disgracieux parce que les dents étaient serrées et qui se voient quand on réouvre et qui, là, le patient disait, j'ai un espace noir que je n'avais pas avant. Bien sûr, après, dans le sourire global, l'espace disparaît et se remet en place. Et ça, c'est vraiment les traitements idéaux qu'on arrive à avoir en combinant les trois. Alors, le niveau suprême qui, chez Smiler, est vraiment le niveau 3 le plus difficile, c'est la distalisation et les extractions qui sont toujours d'actualité. Mais à partir du moment où vous allez choisir dans le plan de traitement ces deux étapes, vous allez passer en rouge, en noir, parce qu'on va passer à un système. Alors, je reviens sur Nemotec, puisque Nemotec, vous voyez qu'on a, on a le module orthodontique, orthognatique, esthétique, implantologie, donc DSD est géré par Nemotec, et nous, pour l'orthodontie, le logiciel, c'est Nemocast. Alors, Nemocast est utilisé depuis longtemps, hein. Ça peut être pour fabriquer les smilers, mais c'est aussi disponible pour mettre des brackets, pour positionner, mais c'est vraiment le logiciel de simulation qui va se mettre. Alors, pour vous montrer un peu les possibilités, on peut aussi, dans Nemocast, intégrer le déplacement des dents et intégrer les futures facettes esthétiques. C'est-à-dire, on peut aussi déplacer des dents dans un projet esthétique, dans un visage, où on peut montrer, puisqu'on vient de voir les limites anatomiques, les limites de l'os, mais on peut aussi montrer les limites de l'os et les limites du sourire. C'est-à-dire, on ne peut pas ingraisser une dent de 3 mm, 1 mm. On peut pas faire tout ce qu'on veut avec l'orthodontie. On peut le faire dans des limites. Avec la chirurgie orthognatique, on arrive à faire encore. Après, on a aussi les problèmes de dents, de forme de dents, d'amélogénèse, de problèmes médicaux. Il faut faire un diagnostic différentiel. Donc, on voit que là, on arrive à gérer le déplacement des dents, des pré-facettes, les intégrer dans le sourire, créer le modèle 3D. C'est magique. Enfin, j'ai vu des vidéos comme ça en 2005 et je pensais que ça n'existait pas, quoi. Quand j'ai visité, et je remercie vraiment chaleureusement la société Biotech et Philippe Véran de m'avoir fait visiter ces entreprises, de m'avoir montré le produit avant que je gère tout ça. Il a vraiment voulu que je le connaisse et je ne pensais pas que c'était réel. Mais si, c'est réel. Et depuis 6 mois que je l'utilise pratiquement de façon exclusive, ça fonctionne. Avant, en fait, je faisais mon plan de traitement. D'ailleurs, quand je faisais quand je répondais à l'encombrement, c'était la question 10, alors que c'est la question la plus importante, mais on en parlait à la fin, donc c'est vraiment ce plan de traitement. Mais j'étais obligé d'envoyer au Mexique, au Costa Rica, à des techniciens qui, eux, m'envoyaient un plan de traitement. En fait, c'est eux qui avaient accès à ce logiciel et dans lequel je n'ai jamais eu accès. Donc, en fait, des fois, je recevais des dents, vous voyez, elles partaient vers l'avant. En fait, j'étais obligé de les réadapter une par une pour les remettre, mais des fois, je repartais, elles repartaient, puisque je n'avais pas accès à ce logiciel.
Donc là, c'est le troisième niveau, c'est vraiment Nemocast. Donc vous voyez, on revient à cette extraction de dents. Vous voyez, là, on simule l'extraction de dents. Et ensuite, une fois qu'on a simulé l'extraction, on va venir repositionner les dents les unes par rapport aux autres, les réaxer. Vous voyez l'extraction. Ensuite, on peut simuler la distalisation. Donc, vous voyez, la dent, elle est toujours encombrée au milieu. On va distaller la 7, la 6, la 5, la 4, la 3, la 2. Dans la limite, ah, la 1, on la remet, il manque encore une place, on va de l'autre côté. Vous voyez, on distale un peu à droite, à gauche, on calcule le manque de place, on la remet, on vient, on distale ici, on repositionne. Alors, bien sûr, là, c'est des traitements plus complexes, puisque forcément, en distallant, bah, on crée un déséquilibre de l'occlusion entre le haut et le bas. Et là, on est vraiment plus dans un traitement d'orthodontie. C'est pour ça qu'on estime que c'est un niveau 3, parce que dans la distalisation, forcément, on va avoir une perturbation de l'occlusion. Et après, on a accès pour déplacer, remettre la dent dans l'ordre par rapport au logiciel. Et ça, c'est vraiment… c'est magique, c'est magique. Alors, quand vous avez ça vous-même, la timeline, tout ce qui est à côté, vous avez tout. Vous avez tout, quoi. C'est mieux qu'un grand chef de cuisine. Vous faites ce que vous voulez, ce que vous voulez. Mais moi, j'estime que c'est 30% de temps gagné. Des fois, j'ai des allers-retours avec des techniciens que je ne vois pas, qui ne comprennent pas toujours ce que je dis, alors que là, il n'y a que moi. Ça ne marche pas, je ne peux m'en vouloir qu'à moi. Mais je gagne du temps. Je gagne du temps parce que c'est plus rapide. Je gagne du temps parce que j'arrive à gérer des plans de traitement qui sont plus rapides. On déplace les dents d'un millimètre par mois. Des fois, je recevais des plans de traitement, ils duraient 2 ans. Aujourd'hui, j'arrive à les réduire en 8 mois. 2 ans, ça fait 24 millimètres, c'est énorme. C'est juste qu'il faut qu'on prenne la main sur ce système. Et là, j'avoue qu'un système tout ouvert, c'est génial. Alors, dans mon cabinet, qu'est-ce qui se passe? Comment aujourd'hui j'intègre les plans de traitement? La révolution, c'est là où. Alors, j'avais rencontré Durer à un congrès à Monaco, j'avais vu ce qu'il voyait, waouh, je ne sais pas quoi vous dire, voilà la caméra que j'utilise, j'en avais 4, voilà les caméras que j'utilise maintenant, une caméra qui est 100% étanche, 2 fois plus petite, plus souple, reliée à un câble, c'est une manipulation, un encombrement dans le cabinet, on ne se rend pas compte, dans nos cabinets, il n'y a pas beaucoup de place, donc un encombrement, vous voyez ce long câble qui est là. Une caméra 100% étanche, donc on peut la désinfecter complètement jusque dessus. Et hop, on arrive. Donc là, maintenant, plus besoin de tous ces ordinateurs. Vous voyez, elle est reliée directement à un grand écran qui permet au patient de voir. Ensuite, je vais faire mon montage. On va retrouver les axes, remettre les plans d'occlusion. On va regarder les surfaces de contact et on va faire notre plan de traitement nous-mêmes. Alors, bien sûr, on a les données sur la discrepancy, l'indice de Bolton, l'indice de Peck. On peut coupler directement du coup, le cone beam pour voir nos limites dans le cone beam et déplacer les dents directement nous-mêmes. Donc, c'est un niveau expert. Hein. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous pouvez toujours demander à un orthodontiste de chez Smiler de vous aider. Et vraiment, il y a une bonne équipe. Je sais qu'il y a Ahmed, il y a toute l'équipe qui est derrière. C'est des gens qui sont investis, c'est des gens réels. Aujourd'hui, vous voyez, pour faire tout ça, je discute avec des gens que je connais. Mon ancien laboratoire pendant 19 ans, je ne connaissais personne, quoi. J'ai l'impression d'être souvent avec des commerciaux. Alors là, vous voyez, on peut intégrer, ça c'est magique, hein, c'est Anatoscope, encore une particularité de biotech. Alors l'impression 3D, donc plus de 20 degrés, plus de 20 brevets. Il faut savoir que biotech au départ fait des pièces 3D pour les Ferrari. Regardez ces modèles qui arrivent, la définition du modèle. Alors bien sûr, Smilers aujourd'hui est une vraie industrie reconnue dans les aligneurs et qui, je pense, est vraiment une start-up d'avenir puisque vous avez l'automatisation, la technologie, la liberté. Bien sûr, on va voir qu'on a encore du polissage à la main pour vraiment avoir une meilleure définition et une qualité de produit qui est inégalable et on va avoir l'occasion de voir dans juste après dans la liberté. Alors ensuite, la contention, alors, soit la dernière gouttière, soit des gouttières de contention. Et puis, bien sûr, encore une nouveauté de chez Smilers, la Smilers Fix. C'est incroyable. Des fois, les patients le demandent et on n'arrive pas à le faire. Vous voyez, une contention qui fait, je crois, 0,4 ou 0,6 mm, qui est bien sûr préfabriquée au laboratoire, qui se colle par collage indirect. Moi, c'est vrai que j'ai tendance souvent à mettre des gouttières pour garder la largeur, en fait, sur la changer la forme d'arcade. Et c'est vrai qu'on a tous ces patients qui nous demandent d'avoir une contention, soit définitive ou pendant une période, le temps qu'ils remettent les gouttières. Donc, vous voyez, cette technique de collage indirect est une contention ultra fine, facile
et remarquable, en fait, toujours quelque chose qui est bien. Alors, encore une autre chose dans mes plans de traitement, demain, c'est l'intelligence artificielle et la création du système Lucie qui va être couplé à tous ces plans de traitement pour préparer et faciliter le travail de l'orthodontiste dans cette mise en place. Alors, l'alignement dentaire, on a bien compris les limites, le stripping, les limites, l'outil incroyable, j'ai jamais eu ces 6 mois, ces 6 derniers mois, c'est que du bonheur et chaque jour, je suis épaté par ce qui se passe. Et après, l'orthodontie invisible, parce que l'orthodontie invisible, bien sûr, au départ, moi, je faisais du lingual, donc en 99-2000, je mettais des bagues à l'intérieur en me disant c'est invisible. C'est invisible, mais parfois, on peut les voir, il y a une gêne. Là, qu'est-ce qui fait que c'est invisible? D'abord, vous pouvez les enlever et croyez-moi, une des choses les plus importantes quand on veut changer quelque chose, changer son corps, c'est la contrainte. Vous voyez, la contrainte que vous avez pour suivre cette conférence, c'est 1 heure de votre temps. Notre temps, il est précieux, tout est précieux. Et aujourd'hui, le corps ne peut pas tout accepter. Donc, le fait de pouvoir l'enlever, je peux vous assurer que pour le patient, c'est remarquable parce que ça soulage. Après, bien sûr, c'est permet l'hygiène, le brossage, mais ça soulage. Ensuite, c'est invisible par transparence. C'est comme un tour de magie. J'étais voir à Las Vegas des magiciens connus. On a l'impression que les gens disparaissent, qu'ils volent dans l'air. Mais on sait que tout ça, c'est de l'illusion d'optique. C'est cette transparence qui crée l'illusion d'optique. Du coup, regardons un petit peu les qualités de la transparence. En fait, la transparence de l'aligneur dépend en fait de sa qualité d'impression. On croirait que c'est de la qualité de l'empreinte optique. Non, l'empreinte optique, c'est une des méthodes. Et encore, sachez que chez Smilers, par exemple, tous les formats sont acceptés. D'abord, la caméra OU est libre, donc les formats sont transférables sans aucune charge, sans aucun paiement, sans aucun droit. Et surtout, les fichiers sont libres. Vous pourriez même scanner vos empreintes, nous les envoyer, ou les envoyer chez Smilers, et Smilers ferait votre plan de traitement. Donc, vous voyez la définition ici, donc on voit, c'est comme des couches qui se superposent. Mais tout ça, ça dépend vraiment. Alors, bon, moi, j'utilise que 2 systèmes dans mon cabinet à Genève. Vous savez que pendant des années, j'utilisais la marque Invisalign. Aujourd'hui, depuis 6 mois, beaucoup de patients, maintenant, je passe à Smilers pour la qualité du soft, du logiciel, un produit qui vient du Mexique, un produit qui vient de France. Et puis surtout, la possibilité de faire moi ce que je veux dans le plan de traitement, de ne pas dépendre d'algorithmes ou d'images de synthèse, mais d'être dans quelque chose de plus réel, où je me retrouve plus en réalité. Et voyez finalement, la qualité de la gouttière à la fin, c'est vraiment la qualité de l'impression. Donc là, on voit, donc ça, j'ai repris des images d'Alain sur son niveau, mais bien sûr, si vous imprimez avec moins de couches, vous avez moins de définition dans le produit. Bien sûr, vous en arrivez à faire des centaines de milliers par jour, mais vous perdez une certaine qualité au niveau de la transparence et au niveau de l'hygiène des bactéries. Alors qu'ici, on va voir que le niveau d'impression entre des dents beaucoup plus lisses qu'on retrouve, puisque j'ai fait ça avec le microscope en comparant mes 2 produits dans mon cabinet au microscope dentaire, en fait, qu'on utilise avec des loupes dentaires. Et c'est là où je me suis rendu compte des différences de transparence. Et comme on est dans l'orthodontie invisible, il est vraiment important que l'appareil arrive à être le plus transparent possible et aussi au niveau de l'hygiène, qu'il n'y ait rien qui se bloque dedans. Alors, dans cette transparence, là, je fais une petite aparté sur l'élasticité. Vous voyez ici, c'est un petit point de compression que je fais. Mais comme on est dans l'alignement, à la fin de traitement, comme on n'a pas souvent strippé exactement au centième du millimètre près, il manque des petits décalages. Des fois, le point de compression, il permet de faire une pression pour tourner la dent, la remettre dans l'alignement. Alors là, la gouttière, par choix, est moins élastique. Et du coup, en fait, le point de compression se met. Comme la gouttière ici, elle est un peu plus élastique, le point de compression se fait moins. Donc, on a moins de pression pour corriger la rotation. Donc, je pense qu'avec une gouttière rigide, on va avoir aujourd'hui un point de compression qui est plus fort, ce qui va faciliter dans les finitions les corrections de rotation en fin de traitement. Donc, bien sûr, on utilise cette orthodontie invisible pour les patients à partir de 7-8 ans et vous verrez qu'on va bientôt avoir le Smiler Child pour gérer avec des cubes les systèmes de croissance et l'évolution des dents postérieures, pas sur un système mathématique, mais sur un système qui va pouvoir gérer la croissance au système gnatologique et surtout réaligner un peu les incisives, le repositionner, faire la distalisation au niveau des molaires, préparer la classe 1 à la classe 2, les 3 sens de l'espace, laisser naturellement les dents évoluer pour que tout doucement, naturellement, les choses arrivent à se remettre en place, guidées par le système. Donc, les enfants, les adultes, les seniors, et vraiment cette idée de transparence. Alors,
J'ai peut-être rattrapé un petit peu mon retard. Oui, j'ai bien avancé, je parlais un peu vite, mais j'ai récupéré un peu de retard. Alors, dans la transparence d'un appareil, pour qu'il soit invisible, qu'est-ce qu'il faut ? Bah, d'abord, à partir du moment où c'est un plastique qui recouvre les dents, il faut que le plastique soit le plus transparent possible pour qu'il soit retiré. Alors, une petite discussion sur les taquets. C'est-à-dire que, bien sûr, maintenant, les taquets, même les power ridges pour certaines techniques, rendent en fait l'appareil visible d'un système qui est invisible pour, au départ, un meilleur mouvement de la dent. Alors, vous verrez que moi, j'écris beaucoup sur les auxiliaires et que ma formation au départ de lingualiste a fait que j'ai souvent mis les taquets en lingual et que chez Smilers, aujourd'hui, vous voyez qu'ici, dans le plan de traitement, quand vous choisissez les taquets, vous avez directement l'option, dans la mesure du possible, mettre le taquet en lingual. Et on travaille avec des lingualistes, avec toute une équipe qui est autour de nous pour justement placer le plus possible ce taquet en face linguale si le patient veut vraiment une orthodontie invisible. Et il est important que dans une demande esthétique d'orthodontie invisible, quand vous mettez un taquet devant, et si vous ne l'avez pas dit au patient, ben vous allez avoir un problème parce que vous l'avez menti et vous perdez la confiance. Alors, vous voyez ce taquet facilement déplaçable. Hein, vous voyez, on l'a pris, on l'a modifié. Alors, on va le déplacer en hauteur, en largeur, en position. On a plusieurs formes. On a des formes classiques, optimisées. On aime bien cette forme ronde avec un faux plat. Je dis souvent que la gouttière, quand on bouge la dent, elle a tendance à se déclipser. Donc, en fait, on va mettre des taquets anti-déclipsage pour accélérer le torque ou l'angulation de la dent. En fait, l'angulation de la dent, elle se déclipse à un endroit. On va la reclipser ici, peut-être plus que le power ridges. Et vous voyez cette forme où, en fait, la surface, pas d'appui, mais de clipsage, on va le remettre en palatin. On va pouvoir gérer en fonction de l'occlusion et la positionner. Donc, on a vraiment un système où on peut choisir le taquet, le poser sur la dent, le mettre où on veut, et on peut vraiment gérer de la façon qu'on veut, vous voyez, de la taille, de la dimension, la gestion nous-mêmes des taquets, sur lequel, bien sûr, il n'y a pas encore de consensus, mais il faut penser taquet lingual. Si on a pensé taquet orthodontie vestibulaire après orthodontie linguale, il est assez facile de penser système linguo où on a de très très bons résultats et je remercie Smiler d'avoir pensé et de permettre en fait de mettre cette option à l'intérieur et de le faire assez facilement dans le logiciel. Donc vraiment pour l'invisibilité, faire attention à la qualité du plastique au taquet lingo. Alors je vais finir par un dernier cas qu'on a fait il y a 5 mois. Vous voyez, en fait, pour vous montrer comment ça fonctionne, donc vous voyez ici le setup qui est développé par Smilers, où vous allez voir point par point, étape. Donc là, on sent bien la gouttière, la gouttière, la gouttière. Donc là, les taquets sont positionnés en lingot. Il n'y a pas de taquet à l'extérieur au niveau des dents. Et là, on a une béance et on a un encombrement par l'excès de place. Donc ça, c'est l'alignement aussi. Les dents sont en avant, l'excès de place. Donc on voit qu'avec la pression postérieure, on arrive. Et vous voyez le résultat avant-après. Ce qui est étonnant, c'est septembre 2019, décembre 2019. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a eu ce résultat en 3 mois. Pourquoi on a eu ce résultat en 3 mois ? Vous voyez, on n'a mis que des taquets de clipsage en postérieur parce qu'on a géré le timeline. Le timeline, on le gère dent par dent en sachant exactement au combien de centièmes de millimètres près on déplace la dent et on le règle. On peut tout à fait le diminuer, le rallonger. On peut gérer et connaître par dent. Ce n'est pas « je bouge cette dent-là à cet endroit-là ». Non, voilà de combien je la bouge, voilà quel torque, voilà quelle angulation, voilà quelle rotation. Et je vois bien étape par étape. Alors, vous voyez que le logiciel fait les étapes un peu plus longues parce qu'on est vraiment en haute résolution. C'est un choix chez Smiler. Au départ, moi qui ai beaucoup dans l'image de synthèse et tout, j'étais un peu choqué. Je me disais, c'est un peu lent et tout. Et après, en comprenant le système, j'ai compris qu'on était sur une vraie image réelle. C'est-à-dire que la donnée est très, très haute qualité. Donc, du coup, on arrive à avoir un mouvement séquencé. Mais ça nous permet aussi, dans l'œil, de bien voir le mouvement séquencé, de regarder le timeline, de comprendre si le mouvement est possible sur le patient et de le réaliser. Donc là, vous voyez, on avait mis juste 5 attachements en lingual et en les adaptant un par un, on arrive à avoir cette solution. Donc, l'envergure du logiciel NemoCast est le même que pour l'orthognosie, pour le Digital Smile. Donc, ce qui fait que une fois qu'on s'est habitué à ce logiciel, que ce soit des gouttières chirurgicales ou des simulations sur le visage avec votre chirurgien, vous arrivez en même temps en fait, à faire la simulation du clean check, la simulation osseuse et la courbe de discrepancy, c'est-à-dire de rajouter des décalages qui peuvent être faits
ce que nous on appelait le virtual jump, c'est-à-dire ce jump, non, en fait ce jump virtuellement, on peut le faire. Donc là, elle devait revenir, bien sûr, là, au mois de mars, on l'avait laissé revenir. Donc pour l'instant, on attend qu'elle va revenir, mais on voit en fait le résultat déjà à ce niveau-là. On fermait juste encore un petit espace en 3 mois. C'est exceptionnel. C'est vraiment grâce à la gestion. Donc, ce que vous allez voir ici, ça, c'est la Smiler Story. Donc la Smiler Story, vous voyez, c'est une image avec un design là, qui est encore plus intéressant. Donc vous voyez à l'image réelle, en fait, la simulation du mouvement des dents. Vous voyez, hop, elle se met en place. Donc là, on voit le contre-stripping à un moment qu'on a dû faire quand même pour avoir vraiment un bon gain incisif, un bon calage. Mais c'est des résultats, bien sûr, ils sont gérés aussi fonctionnellement et on va utiliser dans ces cas-là des Froggy Mouse ou des appareils ou de la rééducation linguale ou quelque chose qui va permettre en même temps de gérer le positionnement lingual. Et tout ça cumulé l'un avec l'autre, on arrive en quelques mois. Alors, c'est un diagnostic différentiel. Hein. Ce n'est pas tous les cas qui fonctionneront comme ça. C'est vraiment le diagnostic du patient. Et quand on a dans les versets comme ça, on voit que la gouttière, elle se clipse ici. Elle vient dans les espaces interdentaires. Donc, on a intérêt à avoir un bon design de l'espace entre les dents pour avoir un bon appui de la gouttière. L'appui de la gouttière, il vient et positionne les dents et le met. Alors, regardez. Et voilà ce que je reçois sur mon téléphone, donc sur toutes les versions. Donc là, quelque chose de transférable en un clic. En un clic, je vais pouvoir voir le patient, donc discuter avec un praticien, le montrer au patient, et lui va recevoir cette image qui est transférable dans un mail, sur un écran, et immédiatement. C'est-à-dire que, en fait, ça a déjà été pensé pour facilement discuter, transférer, refaire, faire des remarques. Assez facile, et aujourd'hui, c'est important, parce qu'on est tous dans nos cabinets un peu occupés et débordés, d'avoir des choses faciles et accessibles. Et là, vraiment une grosse différence, c'est ce choix Café Biotech de dire que on aurait accès et que les choses seraient libres, qu'il y aurait pas des fois je vois des sociétés acheter des logiciels des millions, centaines de millions, j'ai connu ça avec mes scanners et à la fin il va bien falloir que ce soit vous les praticiens qui allez devoir faire ça et là c'est vraiment libre d'accès, facile et facile à mettre en place. Alors j'ai bien rattrapé le temps, donc bien sûr, pour comprendre en fait l'alignement et l'orthodontie invisible par aligneur, c'est vrai que le plus important c'est le calcul informatique immédiat du repositionnement des dents les unes par rapport aux autres. Et la deuxième chose c'est la guide. Il faut bien vous dire que l'aligneur c'est un guide de déplacement des dents. Parfois, il va falloir des auxiliaires, pas d'auxiliaires. Si le diagnostic médical est mauvais, que ce soit un aligneur ou n'importe quoi, vous n'irez pas, la dent n'ira pas dans la position de la gouttière. L'avantage de la gouttière, c'est que l'idéalement, elle n'y va pas. Des fois, c'est une erreur médicale, ça peut être une erreur de stripping ou technique. Mais en fait, en tout cas, si le guide est bien pensé, ça marchera toujours et ça n'ira pas au-delà. Donc, je pense que c'est quelque chose de très sécurisé si le diagnostic est bien posé et qu'on a bien notion des limites et que le guide de chaque aligneur est bien pensé. Alors, pour vous aider à en connaître un peu plus, il y a les formations Smilers Experts. Alors, je vous avoue que depuis que je vois l'équipe Smilers, je suis surpris que ce soit Elise, les gens de Biotech, Jack, je ne sais pas. Il y a une équipe qui est toujours disponible, qui est à fond, il y a un enthousiasme. Et puis, il y a un patron. Vous savez, moi, ça fait 19 ans que je suis une orthodontie dans laquelle je n'ai pas de patron. J'ai des gens qui viennent me voir, je ne sais pas qui est les cliniciens, je ne sais pas qui fait quoi. Aujourd'hui, on sait quoi. Vous pouvez aller visiter, vous pouvez voir qui fait, et puis, vous avez à la tête un boss, quelqu'un qui est génie. Je remercie Philippe, mais c'est qui a des idées, qui a une vision, qui la partage avec vous et que vous pouvez rencontrer. C'est humain. J'ai retrouvé dans ce malheur ces relations humaines. Alors, pour vous former, il y a les cours. Donc, les cours sont résumés en 2 jours. Un premier jour sur l'orthodontie aligneur, un deuxième jour sur vraiment ce logiciel Smilers Expert. Donc, l'orthodontie aligneur, vous voyez, la biomécanique des mouvements, la présentation du système, les taquets, le stripping, les finitions, la gestion de la contention, la présentation des cas Smilers Expert. Et un deuxième jour plus spécialisé, vraiment, on rentre bien dans l'interface Smilers Expert. On va dans les simulations, dans la planification, dans la shrunken beam, dans le mock-up, le design, l'accélération du traitement aussi qu'on n'a pas vu, mais l'ATP 38 qui est aussi… qui est aussi quelque chose de magique, d'extraordinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, dites-vous bien que,
que la biostimulation permet non seulement d'accélérer le traitement, mais elle soulage le patient et la douleur est encore un frein. Vous voyez, moi, je me souviens en lingual, j'ai eu personnellement un traitement lingual, j'ai très mal aux dents, je me souviens, mais c'était une douleur horrible. On l'a moins avec les aligneurs. Et c'est sûr qu'avec la photobiomulation, la TP38, on va améliorer la cicatrisation, améliorer le développement de l'ATP et le processus de turnover dentaire et forcément améliorer la sensation du patient et l'acceptation du patient. Donc, tout ça sur 2 jours. Donc, il y a une équipe remarquable, la Biotech Academy et tout un tas de praticiens qui sont déjà compétents. Je pense à Arash, je pense à beaucoup de gens que je n'ai pas vus encore qui sont capables de passer 2 jours extraordinaires avec vous pour vous partager. On a mis nous en place aussi dans l'Académie Bien Smile de Genève où depuis 10 ans, je ne fais que des aligneurs. Une formation mais plus complète de 112 heures sur 7 modules de 2 ou 3 jours où on aura 4 professeurs d'université en orthodontie qui vont intervenir, dans laquelle on peut avoir aussi 5 étudiants par année qui feront 2 jours de clinique par semaine et qui seront avec nous au cabinet pour voir ce qui se passe. Alors, le premier module, bon, bien sûr, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'orthodontie, les bases fondamentales. Donc, bien sûr, le diagnostic morpho-esthétique, mais assez précis, et le diagnostic fonctionnel de l'orthodontie esthétique et fonctionnelle du sourire. Un deuxième jour qui sera plus la classe 2, la classe 3, la gestion de la DDL plus importante. Ensuite, on va gérer les plans de traitement orthochirurgicaux, les mini-vis, les traitements orthoparodontaux, les traitements des troubles d'ATM. On va gérer la prothèse, la parodontie, voir comment on arrive justement en gérant le mouvement de travailler tous ensemble et d'améliorer le système. Ensuite, un deuxième module sur l'enfant. Vous savez qu'une partie de ma formation à l'université, c'est l'orthodontie des enfants et comment on gère l'enfant entre 3 et 6 ans. On a d'ailleurs créé la Société mondiale d'orthodontie pédiatrique et on a un congrès fin juin qu'on a voulu virtuel aujourd'hui pour assurer la santé de tout le monde et dans cette période de crise, éviter les réunions comme il nous a été conseillé. Et du coup, par obligation, on a fait ce congrès virtuel et il sera fin juin où vous comprendrez les traitements de 3 à 6 ans. Et ensuite, le nouveau système qu'on va mettre en place, qui est l'ortho-child, c'est comment gérer à 7 ans en même temps la position des dents, le recul des molaires, les classes 2, les classes 3, le sens vertical du visage, laisser naturellement la 3, la 4, la 5 s'évoluer, faire de leur cours de Spiel-Wilson, se mettre en place, le visage grandit, on a déterminé la position des incisives, de face, de profil, on amène la croissance, on laisse naturellement se faire et on refait l'empreinte de finition. Donc, bien sûr, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup moins d'aligneurs. Certains traitements vont se faire que la nuit et on va avoir des traitements accessibles. Et la dernière partie, c'est le management digital. Et oui, je pense que le gros changement, c'est l'accessibilité et la liberté de pouvoir en faire des traitements qu'on gère nous-mêmes, qu'on gère au niveau du temps, au niveau de la durée et aussi au niveau des coûts. Les coûts de ces appareillages modernes qui sont des coûts élevés par rapport à ce qu'on faisait avant. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans mon cabinet depuis 6 mois, les économies qu'on a fait avec Smiler, c'est, je sais pas, 20 ou 30% par rapport aux appareillages parce qu'on arrive à gérer les plans de traitement et qu'on a une meilleure maîtrise de ce plan de traitement. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à obtenir une globalité d'un traitement acceptable pour le patient. Si c'est plus esthétique, si c'est moins douloureux et si on arrive à bien gérer notre nombre d'aligneurs et le budget qui correspond parce qu'on gère le nombre, on gère le budget, c'est bien catégorisé, c'est plus facile. Et moi qui étais avant dans un système où ouais, je suis Diamond, en fait, je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, ces gens, mais j'avais des statuts Platinum, Diamond, Super Diamond. En 2018, j'étais reconnu à Dubaï pour plus gros prescripteur Invisalign d'Europe avec plus de 4000 cas. Mais mon statut Diamond, en fait, je reçois souvent des mails. Là, c'est la période où je reçois 10 mails. Attention, on vous décale de 2 mois le statut, pas le statut, parce que l'année prochaine, en fonction de ce que vous avez fait, on recalcule. C'est vrai, mais c'est une sorte de pression, de stress que j'ai plus chez Smilers. Smilers, aujourd'hui, vous avez un package, vous prenez votre package, vous consommez. Si vous consommez dans 1 an, dans 1 an et demi, dans 2 ans, c'est libre, c'est vraiment libre. Et quand on est libre, on travaille plus sereinement. Vous prenez un package, vous démarrez les cas, vous les voyez quand vous voulez. Il n'y a pas de pression pour commencer, pour arrêter. Vous le faites, vous démarrez vos cas et vous serez surpris des résultats.
Et vous serez surpris de l'équipe. Ce qui moi, m'a surpris, c'est l'équipe. C'est-à-dire, c'est une équipe de professionnels. Miguel qui a créé le logiciel Nemotech en 1992, c'est un génie. Mais c'est le créateur. Aujourd'hui, le logiciel appartient à Biotech, mais a eu l'intelligence de garder le créateur à la tête, qui est toujours là. Je ne dirais pas qu'il est disponible, mais en tout cas, il est présent. Il connaît son logiciel par cœur et c'est magnifique, magnifique. C'est de la magie, en fait. Je dis souvent que ces 6 derniers mois, j'ai plus appris qu'en 20 ans d'orthodontie. Peut-être pas en 20 ans d'orthodontie, mais en 20 ans d'appareillage et de technologie, oui, ça, c'est sûr. Que j'ai rencontré des êtres humains, chacun à leur poste, mais réels. Et je suis revenu dans une orthodontie, pour moi, qui est plus réelle et qui me permet finalement d'avoir à la fin, une meilleure satisfaction pour moi, pour mes patients, et puis un avenir prometteur. Là, je suis excité de voir tous les nouveaux conférenciers qui vont passer sur Biotech. Tous les jours, j'avale des conférences. Avant, il fallait que je fasse des milliers de kilomètres. Alors vraiment, je remercie Biotech de m'avoir permis de faire cette formation, de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi de ce qui se passe, ravi de l'avenir, et je me réjouis d'avoir partagé avec vous tout ça. Parfait, parfait. Merci Patrice pour cette excellente conférence. Biotech Dentale est honorée de vous avoir déjà dans ce programme et de vous avoir en tant qu'expert Smilers. Merci à nouveau. J'ai quelques questions à vous poser, venues de plusieurs personnes. Première question, docteur Arnaud Paturel, comment améliorer la communication entre dentistes, donc omnipraticiens, et ortho dans nos cas de réadaptation complète? Comment contrecarrer notre manque de connaissances en orthodontie? Alors, justement, en fait, ce qui va contrecarrer votre manque de connaissances, c'est qu'on a toujours l'impression de ne pas savoir, mais réellement, l'image virtuelle que vous voyez, la dernière image que je vous ai montrée, que vous recevez sur votre smartphone, c'est une image claire, c'est une image compréhensible par tout le monde. Donc, en fait, sur cette image, vous voyez, par exemple, vous la prenez en photo, vous l'imprimez, vous la dessinez et vous écrivez à votre correspondant, j'aimerais bien avoir ça, tu comprends, j'ai vu ça, mais par rapport à cette patiente. Et après, vous savez, vous avez des patients qui n'osent pas parler à leur orthodontiste. Et souvent, par exemple, leur vrai lien au patient, surtout le patient adulte, hein, son lien, c'est le dentiste. Ça fait des années qu'il connaît, ça fait des années qu'il travaille avec. C'est presque son ami, mais c'est son dentiste. D'ailleurs, on dit toujours mon dentiste. Donc, vous êtes sa référence. Et le patient, il va venir vous demander à vous ce que vous en pensez. Alors, si c'est un langage que vous ne pouvez pas comprendre, c'est difficile. Mais si vous recevez juste par mail la vidéo, vous pouvez comprendre. Vous la voyez. Il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que votre orthodontiste, il fonctionne, il est à disposition. Et cette petite période de confinement, ça permet avec des petits outils, vous voyez, avec TeamViewer, avec des choses, en fait, ils se connectent, vous connectez sur votre ordinateur, vous échangez. Et bien souvent maintenant avec le patient entre deux, parce que c'est le patient qui va le faire. Donc, je pense que vraiment, l'outil de communication, c'est de regarder les images, de regarder ce qui se passe dedans, et puis bien sûr, d'écouter les limites, si vous n'avez pas la compétence, les limites que l'orthodontiste va vous transmettre des traitements compliqués. Et après, si vous voulez débarrer vos premiers cas Smilers, puisqu'il y a une formation Smilers, bah, écoutez, Olivia, c'est une dentiste qui a une bonne expérience, qui connaît le système bien, avec qui on échange beaucoup, qui sait, donc elle sait, et elle saura vous transmettre, vous aider. Parfait. Voilà, une autre question. En quoi les Smilers sont différents des gouttières invisalignes? C'est spectateur anonyme. Donc, malheureusement, je n'ai pas de nom. Si vous avez en fait, pas, si vous voulez, la différence, moi qui utilise Invisalign depuis 19 ans, il y a beaucoup de différences. Invisalign, c'est un matériau plus plastique, c'est une grosse société, c'est Nasdaq, c'est une société mondiale. Donc, il y a une communication, un marketing, une façon de faire que vous y croyez. Je me souviens quand j'étais aux États-Unis, c'était comme du réel. Mais je pense que Smilers, c'est plus réel. D'un côté, vous avez un système qui est plus virtuel. D'ailleurs, vous voyez dans l'image, l'image, elle se déplace, elle est virtuelle. On dirait des images de synthèse. Chez Smilers, on a l'image réelle. On a des gens réels. On a des êtres humains réels. J'ai des vrais interlocuteurs. Je sais où sont mes gouttières. Je sais comment est fait le plastique. Et je vois cette transparence qui est meilleure. Il est un peu plus rigide, donc il peut être parfois un peu plus cassant. Mais pour moi, la rigidité, elle est meilleure pour le mouvement. On peut changer les différentes tailles de gouttières.
Donc ça fonctionne. Et quand vous travaillez avec l'équipe clinique, ou moi, Gérard, là, on a une vraie équipe clinique. Vous avez des orthodontistes, vous avez des gens d'expérience qui répondent. Il y a une sorte de vision, vision du patron bibliothèque, je pense, de Philippe, d'Olivia. Ils ont une vision sur la qualité française, qui n'est pas une vision grande échelle où, voilà, on a pris une bouillon, on a une vision claire d'un produit de haute qualité. Et c'est pour ça qu'il est encore poli, etc. Et cette discussion, quand je dis avec eux, de la qualité, elle est importante. Et puis après, il y a aussi des données économiques où ce n'est pas qu'il y a un système moins cher que l'autre, mais à partir du moment où on arrive à faire ce qu'on veut, oui, je pense que moi, en tout cas, pour ma part, depuis 6 mois, j'ai fait déjà des économies notables. Très bien. Vous venez de répondre à une autre question. Depuis combien de temps utilises-tu le système Smilers? Combien de recul clinique? Donc, 6 mois, la réponse est donnée. Une question de non-praticienne, j'imagine. Avec ces aligneurs, docteur Bouafia, avec ces aligneurs, on ne peut dépasser que 2 dents simultanément ou bien toutes les dents en même temps? Question générale ortho. Oui, très bien. Alors, c'est une question très, très intéressante. Hein. C'est une question majeure d'un des avantages des traitements par aligneur. Quand vous faites un traitement multibag, vous collez des braquettes et vous mettez un fil. Donc, toutes les dents bougent en même temps. Très difficile de stabiliser quelques dents. Donc, elles bougent toutes en même temps. Et par exemple, dans des gros cas de réhabilitation avec des bridges et tout, déjà, c'est difficile de concept de bouger. Mais avec un traitement qui est fait par des gouttières, je dis toujours, on est en arc lourd. Vous savez, nous, on mettait plusieurs arcs pour arriver à un mouvement léger, plus lourd, etc. Là, on est lourd tout de suite. Donc, en fait, on peut bouger la dent qu'on veut, où on veut. Donc, on peut en bouger une. Et j'ai traité des patients qui sont venus me voir en me disant, mais monsieur, il paraît que vous bougez qu'une dent. J'ai dit, oui, je peux ne bouger qu'une dent. Et quand j'ai bougé qu'une dent, il m'a dit, mais moi, je veux bouger que celle-là. Je veux surtout pas qu'on me touche les autres. Pourquoi? Parce que je suis bien. Quand je mâche, je me sens bien et tout. Je veux toucher à rien. Monsieur, est-ce que vous pouvez me toucher celle-là? Et là, vous pouvez toucher celle-là ou que 2 dents. C'est magique. Pourquoi? Parce que l'adulte, il crée une sorte d'équilibre dans son déséquilibre. Il y a vraiment une différence entre l'enfant et l'adulte. Hein. Aujourd'hui, on fait beaucoup l'enfant. Et puis là, je pense qu'avec le Smiler Child, c'est une révolution mondiale qu'on va faire pour l'enfant, la croissance. Mais l'adulte, il a trouvé une sorte d'équilibre qui est précaire. Et c'est souvent un équilibre dans le déséquilibre, soit au niveau de la posture globale. Donc, on peut bouger une dent ou 2 dents ou qu'un groupe de dents, tout en gardant une occlusion qui lui convenait, même si elle n'avait pas d'air académique. Donc, c'est vraiment une très bonne question parce que c'est vraiment une particularité de l'aligneur. C'est de pouvoir bouger 1 dent, 2 dents ou un groupe de dents ou toutes les dents, si vous voulez, en même temps. Elles peuvent toutes bouger en même temps. Parfait. Une autre question. Si on fait tout chez Biotech Dental, et donc Smilers, comment on peut avoir accès aux simulations et faire les modifications? Alors, en fait, chez Smilers, vous avez 3 niveaux. Il y a un premier niveau, je pense qu'il y a un niveau sécuritaire de la société, toujours dans cette obsession de d'abord faire la qualité avant de grandir. Le niveau Smiler, c'est un niveau pour débutants qui est bien pensé et contrôlé par une équipe. C'est-à-dire que vous avez un orthodontiste toujours avec vous qui va vous répondre, qui va vous aider, qui va vous dire non, tu ne peux pas, non, c'est trop dur, un vrai orthodontiste qui vous répond. Pas un algorithme qui dit, ah, vous êtes à 2,2, c'est interdit. Pas d'algorithme, un vrai être humain qui vous répond. C'est le premier niveau. Deuxième niveau, vous avez Smilers Expert. Smilers Expert, ça vous permet en fait d'envoyer tous les données à Smilers et de ce logiciel de pouvoir déplacer les dents. Ça, c'est un deuxième niveau. Et après, vous avez le troisième niveau où vraiment vous êtes passionné et vous voulez faire ce que vous voulez. Ce que moi, avec les techniciens au Costa Rica et les Mexicains avec qui je n'avais pas de contact, qui bougeaient les dents à ma place. Aujourd'hui, vous pouvez bouger les dents, mais vous pouvez aussi faire la préparation de chirurgie orthognatique. Vous pouvez faire le sourire, le smile design que vous voulez. Et ça, c'est le troisième niveau. C'est Nemotech, c'est toute la suite Nemo. C'est magique. C'est beaucoup de temps, mais quand je dis c'est magique, c'est pour le passionné. Moi, ça fait 19 ans que je fais des aligneurs. C'est imaginé. Quand j'ai décidé de ne faire que ça en 2011, il y a des gens qui m'ont dit « mais ça n'existe pas, t'es fou ». En réalité, non, je prends un plaisir énorme, mais je m'ennuyais. Je m'ennuyais de dépendre de gens, de ne plus avoir de relations humaines et d'avoir perdu cette relation. Et regardez, en ce moment, les gens sont enfermés. Qu'est-ce qui leur manque? Il leur manque les relations, de voir des gens. J'avais envie de voir des gens, pas que des commerciaux. J'avais envie de voir l'ingénieur, j'avais envie de voir le patron. Aujourd'hui, tout ça, c'est accessible. C'est génial. Donc, avec ces 3 niveaux, vous pouvez vraiment tout faire.
Justement, une question qui concerne cela. La question se dit que c'est le principe de tous les logiciels de planification orthodontique. Qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi l'avantage finalement de Smilers par rapport à ce que vous connaissez déjà? Alors, si, en fait, si vous voulez un software, quand vous dites par exemple tous les softwares sont faciles, je ne pense pas, c'est faux. Moi, vous savez, j'ai créé mes propres softwares. Ça fait 12 ans que je travaille avec trois développeurs en informatique et je pense que le plus difficile au monde, c'est de créer un software. D'ailleurs, si vous voulez être milliardaire, créez Windows ou créez un nouveau Windows. Vous savez, ce n'est qu'un software et pourtant, en fait, Windows aujourd'hui, Bill Gates, il est irremplaçable. Ce n'est pas si simple de faire un software. Alors, bien sûr, vous pouvez faire en 2 jours un software et dire oui, bah, tiens, j'ai fait un software. Non, un software, il faut du temps pour le faire et le mettre en place. Aujourd'hui, si vous voulez, le mnémotech, d'abord, il a l'histoire. Ça a été fait en 1992. Plus de 10 000 personnes l'utilisent. Ce n'est pas un software qui s'est fait en 2 jours. D'ailleurs, un software, vous ne pouvez pas le faire en 2 jours. Un vrai software, il faut des années pour le construire. Donc, bien sûr qu'il y a des softwares qui sont compétents, qui font de la planification. J'ai vu du HomeMed, j'ai vu plein de choses. Mais honnêtement, la précision de mnémotech, je ne l'ai jamais vue. J'ai jamais vu au centième de millimètre près, j'ai jamais vu un logiciel qui arrive à coupler en même temps le cône BIM et en même temps le fichier STL. J'ai jamais vu qui en même temps avec 3 points superpose la photo. J'ai jamais vu qui en même temps gère la chirurgie orthognative, le smile design, le déplacement des dents. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu. Alors il faudrait qu'on me montre, mais j'ai jamais vu. Et en tout cas, moi, je connais bien le logiciel software puisque j'ai écrit le guide du CleanCheck pour les Américains. Donc, j'écris le guide du software et je peux vous assurer que les options présentes dans Nemotec, c'est incroyable. Et que Biotech a pris la décision d'acquérir ce logiciel il y a 1 an, c'est génial. En tout cas, moi, je suis content parce que du coup, je l'utilise et je ne connaissais pas. Mais les options qui me sont permises, elles sont infinies, infinies. Ce n'est pas que je ne dors plus, mais c'est magique, quoi. Tout ce que j'ai rêvé, je l'ai. Parfait, très bien. Alors, une question de Dr. Hakim. Taquet optimisé sur une molaire du bas et élastique classe 2, comment gérer son positionnement pour limiter un mouvement parasite à la molaire du bas? Alors, en fait, d'abord pour la molaire, pour les élastiques qui sont mis sur les molaires en bas, il faut voir 2 choses. Soit vous mettez le taquet ou soit vous mettez un bouton sur la dent. Si vous mettez un bouton sur la dent, plus vous le mettez en distal, plus vous aurez une rotation de la molaire. Donc, idéalement, il faut le mettre en mésial. Mais quand vous le mettez en mésial, le problème du bouton, c'est qu'en fait, l'élastique, il a tendance à se décoller. Donc, il faudrait pas un bouton, mais il faudrait un crochet qui revienne pour que l'élastique retienne. Mais pour éviter la rotation, c'est ça. Si vous mettez un élastique sur une dent, vous allez avoir tendance à faire de l'égression de la dent. Donc, si vous avez un patient avec un visage augmenté, une dimension verticale importante, essayez de ne pas mettre un bouton de classe 2 sur la dent parce que vous augmentez la dimension verticale. Donc, il vaut mieux le mettre sur la gouttière. Ensuite, on a le problème des urgences, c'est-à-dire que tous les boutons collés comme des braquettes se décollent, alors que s'il est sur la gouttière, il y a moins de décollement. Mais la gouttière a tendance à remonter, d'où la question importante de dire oui, il faudrait mettre un taquet. Et donc, du coup, le taquet, il faudrait le mettre en médial et il faudrait le mettre en anti-déclipsage. C'est-à-dire qu'il faut mettre un taquet un petit peu rond, un petit peu lune, avec une pente comme ça à 30 degrés dans la direction opposée de l'élastique, comme quand on pente, comme pour une tente de camping, vous voyez. Vous gérez la direction qu'il va y avoir l'élastique et vous mettez la surface plane dans le sens opposé. Et ça va dépendre aussi de la direction de l'élastique. Plus l'élastique il est en longueur, moins vous aurez de composantes verticales. Plus il est en hauteur, plus vous aurez une composante verticale. Donc aussi intégrer avec le sens vertical de l'occlusion et aussi du visage. Très bien. Notre question, quelle est la durée moyenne d'un traitement Smilers? Ben, j'imagine que ça dépend du cas et de l'objectif. Mais la deuxième partie est aussi intéressante. Comment peut-on être sûr de la bonne conduite du traitement et évaluer la motivation du patient par le respect du port des gouttières? Alors, ça, c'est une très bonne question. Très, très bonne question. Pourquoi? Parce que souvent, les gens, ils me disent, oui, mais moi, des bagues, au moins, je suis sûr de ne pas l'enlever. Vous savez, quand j'ai fait mes études de spécialité, le premier cours que j'ai eu, on m'a dit, si vous mettez des bagues, puisque j'étais reçu au concours de spécialité, si demain, vous mettez des bagues, un traitement multibag, ça se mérite. À partir du moment où vous mettez quelque chose de fixe, il faut qu'il y ait un brossage extrême. Il faut qu'il y ait une hygiène particulière de passer entre chaque dent. Il faut vraiment une contrainte d'hygiène, pas de port d'appareil qui est importante.
Ensuite, on mettait souvent des élastiques, on vient d'en parler, et les élastiques, il faut que le patient le porte ou l'enlève. Ce qui veut dire que dans tout traitement, et je vais dire à la limite dans tout changement du corps humain, ce que j'appelle dans mon livre, vous pouvez retrouver, parce que tout ça, j'ai résumé dedans, ça s'appelle la contrainte. En fait, il y a une contrainte à tout ce qu'on fait. Donc, si vous voulez changer, vous devez accepter une contrainte. Il ne faut pas croire qu'on pourrait vous enfermer dans un système qui va tout faire tout seul. Ce n'est pas vrai. C'est des bagues, il va falloir une hygiène parfaite, il va falloir faire attention de ne pas les casser, il va falloir faire attention de ne pas manger dessus, et il va falloir mettre les élastiques et le brossage. Si c'est des aligneurs, il va falloir les porter. Si vous ne les portez pas, ça ne marche pas. Mais au pire, ça ne s'aggrave pas. Si vous mettez des bagues, vous ne brossez pas les dents, vous pouvez avoir des caries sur toutes les dents. Si vous ne mettez pas les élastiques, si vous ne mettez pas les forces extra-orales, vous pouvez avoir les dents qui partent en avant. Vous pouvez avoir un effet contraire. Et c'est bien le principe de la médecine, c'est de dire, OK, je crée un changement dans le corps, mais quels sont les effets secondaires, quels sont les risques? Avec des aligneurs, il y a zéro risque. Le seul risque, à la limite, c'est qu'ils ne le mettent pas, que ça ne marche pas. Mais s'ils ne le mettent pas, ça ne marche pas, c'est comme quand vous allez à la salle de sport. Ce n'est pas parce que vous allez à la salle de sport que vous prenez l'abonnement d'un an qu'à la fin, vous allez venir avec un corps d'athlète. Pour ça, il faudrait y aller 2-3 fois par semaine. Mais en réalité, les gens, ils y vont une semaine, 2 semaines, après, ils arrêtent. En fait, c'est comme ce qui pourrait s'appeler la tolérance, en fait. Le patient va le mettre, il va le tolérer, et ça dépend jusqu'où il veut aller. Par exemple, moi, j'ai des patients, même dans ma famille proche, ils vont commencer le traitement et ils vont arrêter au bout de 6 mois. Et je leur dis, mais pourquoi t'arrêtes? C'est dommage. Ils me disent, mais moi, je suis déjà content. Ça me suffit. J'en ai assez. Je suis content du résultat par rapport à ce que je voulais, la contrainte que je veux et la contrainte du changement aussi. Et vous savez que l'avenir, c'est la compréhension de la biologie, de la psychologie du patient. Et c'est par cette compréhension qu'on fera des meilleurs résultats. Parce que la psychologie de ce qu'il est prêt à accepter, c'est aussi quelque chose de difficile. Il va falloir passer plus de temps avant à essayer de le comprendre. Mais réellement, techniquement, ça fait 19 ans que je fais des aligneurs. 19 ans. J'ai fait plus de 4000 patients. J'ai le plus gros recul en aligneur d'Europe. J'ai la plus grosse expérience en longévité. Ces discussions, je les ai eues tous les jours. J'ai combien de patients qui n'ont pas mis le traitement? Je ne sais pas, 1%, 2%. Mon multibac, des gens qui avaient des caries, que je devais enlever les bacs parce qu'ils ne les mettaient pas, je menaçais les parents, des gens qui ont fini en chirurgie orthognatique parce qu'ils ne mettaient pas les élastiques, j'en ai eu plus. Donc, en fait, on pourrait croire, mais la réalité, c'est que non, il faut accepter que pour changer, il y a une contrainte. Et croyez-moi, la contrainte des smilers, des aligneurs, ça n'a rien à voir avec toutes les autres contraintes. C'est très clair. Très bien, merci. Une autre question, docteur Souban. Est-ce que vous recommandez en général une contention fixe ou par gouttière? Alors ça, c'est la question aussi de base. En fait, moi, je suis très, très clair. D'abord, il faut comprendre que si vous élargissez le sourire d'un patient, si vous changez les molaires du fond, si vous n'avez pas une gouttière qui vient jusqu'aux molaires, les dents, elles vont repartir à l'intérieur. Donc, il faut comprendre quelles dents on a déplacées. D'ailleurs, moi, quand je suis sorti de l'université, de la faculté, je mettais une plaque de Hawley en haut et je mettais une contention collée en bas pour les adultes et pour les enfants aussi adolescents. D'abord, pensons à la biologie. Les dents ne sont pas faites pour être maintenues par des systèmes fixes parce que les dents, elles bougent les unes par rapport aux autres et il doit y avoir un système qui permet de nettoyer entre les dents. Donc, par principe, l'idéal, c'est de mettre une gouttière la nuit et de maintenir toutes les dents. Pourquoi? Parce que cette gouttière, et d'ailleurs chez Smilers, il y a aussi une gouttière de contention avec plusieurs niveaux, et vous aurez aussi accès à des systèmes de finition par positionneur sur mesure fait à partir des derniers setups. Donc en fait, ces systèmes qui peuvent être de finition ou de contention, plus c'est amovible, plus la dent, je dirais qu'elle respire, elle est bien en fait. Mais ensuite, c'est vrai que quand on a déplacé la dent, de mettre encore une gouttière, les gens en ont marre. Donc, parfois, si le patient s'oppose, il faut mettre un système fixe. Mais attention au système fixe qui vont canine à canine. Les dents du fond, elles repartent comme ça dans tous les sens. Donc, le sourire, il est beau là. Et si vous aviez amélioré, il va partir derrière. Mais la contention fixe, il faut bien comprendre qu'il faut surveiller, qu'il faut la contrôler et que parfois, il faut les enlever. Donc, parfois, il faut mettre une fixe et dire au patient. Et des fois, on met aussi la fixe plus l'amovible et dire au patient peut-être un jour votre fixe il faudra quand même l'enlever et le pousser à avoir des choses amovibles. Mais j'avoue que le smiler fixe au niveau de son épaisseur et du confort en bouche et le fait qu'il soit de la même couleur que la dent ça donne aussi un nouveau confort pour le patient. Mais si on met du fixe et qu'on a bougé les molaires, on met quand même des gouttières.
Alors, l'avantage des gouttières, c'est que les dents s'usent, donc dans le temps, ça évite de les user, et qu'on va utiliser les gouttières pour réservoir de produits, pour assainir les dents, pour assainir les gencives. Donc, je pense qu'il y a un gros avenir à avoir les gouttières la nuit. Justement, il y a une question par rapport aux contentions. La contention fixe au maxillaire peut être un cauchemar s'il n'y a pas beaucoup de place. Est-ce que Smilers peut bien vérifier la faisabilité de la pose de la contention avant de commencer? Alors, deux choses. D'abord, si vous demandez à Smilers de le faire, il va le faire, puisque c'est facile, en fait. Si vous avez l'empreinte du haut et du bas, on a les contacts occlusaux, donc il peut avoir parfaitement les contacts occlusaux. Si la supra n'est pas corrigée, bah, vous pouvez rajouter des gouttières de finition. C'est-à-dire, moi, par exemple, si en fin de traitement, le patient a fait un traitement qui, pour des raisons de budget, bien souvent, ne va pas faire un traitement avec correction de la supraocclusion d'un an et demi, parce que la supraocclusion est plus difficile à corriger, plus longue souvent que juste un alignement des dents. Donc, s'il ne veut pas le traitement un peu plus élevé en temps, en durée, en coût, on va mettre une contention. Donc, vous mettrez une gouttière du haut avec des bite ramps, que des bite ramps en haut. Et en fait, du coup, on va améliorer la supraocclusion jusqu'à temps qu'on peut passer pour le fixe. Parce que c'est vrai que si vous avez un contact incisif qui est trop important, vous n'arriverez pas à mettre la contention fixe qui va gêner pendant l'occlusion. Parfait. Alors, une autre question sur… Alors, je vais coupler deux questions parce qu'ils sont dans le même sens. La première, c'est Dr Nguyen et l'autre, c'est Dr Shari. Alors, la première, quels sont les avantages techniques que vous appréciez chez Smilers par rapport à Invisalign? Et la deuxième, est-ce que, Dr Shari, du coup, est-ce que vous arrivez à convaincre facilement vos patients qui se présentent initialement pour Invisalign à opter pour la technique Smilers? Alors, vous savez, moi, je fais Invisalign depuis 19 ans. Donc, tout le monde me connaît sur une marque d'aligneur, mais en fait, en réalité, tout le monde est toujours… Mais moi, je fais de l'orthodontie esthétique et fonctionnelle dans mon cabinet. En fait, je fais pas de l'Invisalign ou Smilers. J'ai une société scientifique, l'ISFESO, vous pouvez voir tous mes cours, où j'ai des concepts de diagnostic. Et je pense que c'est une erreur de croire que le patient il vient chez vous pour une marque. En fait, vous pouvez le croire, mais moi je pense pas. Je pense que les patients ils viennent chez vous pour un résultat, pour un traitement, et que vous avez la responsabilité de prendre le traitement sur lequel vous croyez le plus et le traitement que vous croyez. Vous savez, avant que je change dans mon cabinet Genève des traitements Invisalign pour passer à Smilers, j'ai vu beaucoup, beaucoup de laboratoires. Vous savez, avec tout ce que je fais sur les aligneurs depuis des années, croyez-moi, je pense que tous les laboratoires au monde qui font de la recherche sur les aligneurs, je les vois, je regarde. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la marque et le nom qui a écrit dessus. Ce qui m'intéresse, c'est les gens, les êtres humains qui est derrière, qui fabrique, comment c'est fabriqué, quelle est la qualité du produit. Moi, je pensais avoir un produit américain, je me suis rendu compte que j'avais un produit mexicain. Donc, aux patients, quand je leur disais c'est un produit américain, non, c'est un produit mexicain. Là, j'ai un produit Made in France contrôlé, je sais où il est, je sais où sont mes aligneurs. J'ai une transparence qui, pour moi, est plus nette, avec du coup une meilleure hygiène de l'aligneur qui est en permanence sur la dent. J'arrive à contrôler les mouvements mieux. Et surtout, en fait, je dépendais de techniciens. C'est-à-dire que, en fait, c'était un peu vexant pour moi de devoir demander à un technicien au Costa Rica qui vient peut-être d'embaucher, qui n'est pas dentiste, qui n'a peut-être pas ma notoriété, qui n'a pas mon expérience, que ce soit lui qui doit commencer à me préparer le plan de traitement. Je veux, aujourd'hui, après autant d'années, le faire moi-même. Donc, quand le patient il arrive, il ne vient pas pour une marque. Je ne crois pas. Bien sûr, les laboratoires investissent dans le marketing, investissent dans tout ça. Non, les gens, ils viennent pour un dentiste, ils viennent pour un orthodontiste, ils viennent pour un résultat. Réellement, ils viennent pour un résultat. Il faut recentrer sur les résultats et après, essayer de trouver soi-même l'outil le meilleur. Et je pensais que ça allait être difficile. Je pensais vraiment que ça allait être difficile. Je pensais que même mes équipes, mes salariés me disaient « mais vous ne pouvez pas » et tout. Je dis « si, on peut parce que c'est meilleur ». Mais si vous y croyez, les gens, ils y croient. Après, regardez ce que je vous ai montré. Prenez l'aligneur en photo, prenez vos caméras, prenez vos loupes dans vos cabinets, prenez les deux. Regardez la qualité, regardez la transparence. Et après, honnêtement, j'ai des résultats que j'avais en 52 aligneurs, je vais les faire en 24 maintenant. Pourquoi? Parce que moi, je respecte la biologie et je fais ce que je veux. En fait, j'ai un outil à la disposition de mon diagnostic. C'est-à-dire que je ne dépends plus d'un système. J'ai un système qui s'adapte à moi. Et c'est très dur pour un orthodontiste comme moi d'avoir un système où vous avez l'impression d'avoir une dépendance. Je dépends de gens qui sont des fois au marketing, commerciaux, ou je sais pas. J'ai vu des patrons il y a 17 ans, depuis, je ne sais pas qui fait quoi.
Là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai des orthodontistes, je vois les gens. On a des discussions, en fait. J'avance, je progresse, je me sens bien. Donc, le patient, il ressent, en fait, quand vous êtes bien. Donc, ne pensez pas que les patients viennent pour une marque chez vous. Ne pensez pas ça. Surtout, ne le pensez pas. Bien. Une autre question sur les formations. Est-ce que, docteur Larachi, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur les formations proposées? C'est où ça, je... Alors, les formations proposées par Biotech Dental Academy, donc là, vous pouvez contacter tous les représentants de Biotech, il y a des équipes commerciaux partout, si tu as bien organisé. Donc, vous aurez des dates, c'est sur 2 jours, il va y avoir... Mon adresse mail dans le chat, comme ça, vous pouvez m'envoyer. Ouais, voilà, je pense qu'il va y avoir tout un tas de formations qui sont extraordinaires, qui sont bien faites. Hein. Moi, je forme depuis 19 ans, donc je travaille avec les équipes de formation, mais il y a déjà des gens qui sont très compétents. J'ai vu l'intégralité des cours qui sont proposés aux équipes et j'étais impressionné peut-être de voir déjà où ils en étaient. Et j'aide aussi à gérer les programmes et croyez-moi, ils sont bien pensés, il va y en avoir partout et il y a déjà des gens très capables. Arrache a traité plus de 1000 cas, fait des publications qui sont de qualité. Olivia, elle est dedans tous les jours. Ahmed et ses équipes, ils sont disponibles. Ils sont vraiment disponibles. Non, les formations de jour sont très bien. Après, moi, personnellement, vous pouvez venir dans ma clinique à Genève, mais je prends que 5 étudiants l'année prochaine avec le professeur Bernard et un groupe d'orthodontistes sur une période d'un an. Et ensuite, on a nos 7 modules où les dates vont être affichées. Vous pouvez venir aux 7 modules, mais qui sont plus l'orthodontie esthétique et fonctionnelle du sourire avec Smilers intégré. Alors que le vrai cours Smilers, c'est l'interface. Il faut que vous compreniez l'interface pour faire du produit qui est à disposition ce que vous voulez. C'est vraiment votre laboratoire à la disposition de vous-même où il vous aide. Mais tout est prévu dans Biotech Dental Academy et je sais que les choses vont vite. Alors, juste je dis aux personnes qui écrivent leur adresse mail, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir comme ça réagir. Juste envoyez-moi un mail avec votre demande, si vous êtes situé où. Comme ça, on vous proposera les formations les plus proches. Votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Même des groupes, hein, il faut savoir que s'il y a des groupes de dentistes, d'orthodontistes qui entre eux vont se regrouper, je sais que vous pouvez aussi demander à Biotech Dentale parfois dans des regroupements, il y a des possibilités. En fait, vous avez des êtres humains, donc... Là, vous avez Jal qui est disponible, mais chez Biotech Dentale, il y a des vrais êtres humains qui s'adapteront. Ils feront un peu du sur-mesure en fonction de ce que vous avez besoin. Bien sûr, si vous êtes tout seul, c'est plus difficile. Mais vous pouvez aussi vous regrouper chez vous et vous pouvez venir à Biotech Dentale, mais je sais que Biotech Dentale peut aussi parfois venir chez vous. C'est déplacé aussi selon un nombre minimum. Tout à fait. Une autre question, quel résultat peut-on espérer sur des douleurs maxillofaciales récurrentes grâce aux aligneurs Smilers? Alors, si vous voulez, la douleur faciale, j'ai toujours que... Vous savez, moi, des fois, je traite des patients, toutes sortes de patients. Il y en a qui viennent pour l'esthétique à un millième de degré près. Avant, je faisais en langage, c'était à m'arracher la tête et à me couper la tête parce que je bougeais la dent. Là, maintenant, en fait, on a un sur-mesure. Donc, quelqu'un qui veut être esthétique très précis avec le modèle 3D, on arrive à déplacer. Ensuite, les systèmes de douleur faciale, bon, là, c'est de la vraie médecine. Hein. Des fois, je dis aux patients, vous savez, on n'est pas... Il n'y a pas de honte à dire on n'est pas au niveau de vos problèmes. Donc, on y va par tâtonnement en fonction de la science. C'est vrai qu'on sait que les dents, quand elles rentrent en contact, il y a deux phénomènes qu'il faut comprendre. C'est que l'émail, en dureté Vickers, il est aussi dur que le diamant. Pourtant, l'œil, qui est juste en dessus, ne peut pas supporter un gramme de pression. Donc, les sinus, les ligaments vont amortir les chocs. Mais tous les nerfs du corps passent dans le crâne. Et ces 30 kilos qui sont là, tac, tac, sur un truc dur comme du diamant, c'est sûr que ces répercussions de force, elles peuvent passer à un moment sur le chemin d'un nerf, le compresser, créer des migraines, des myalgies faciales. J'ai traité beaucoup, beaucoup de gens pour des migraines. Au départ, pas en les traitant par les migraines, mais en les traitant pour un alignement et où en même temps, ils ont vu qu'il y avait moins de migraines. Mais je pense que protéger les dents, par du plastique, un peu la nuit de temps en temps, je pense que ça fait du bien. Aujourd'hui, le monde a changé. On n'est plus. Les gens veulent garder leurs dents toute la vie. C'est plus j'enlèverai et je finirai avec un complet. C'est fini. Les gens veulent garder les dents. Pour garder les dents toute leur vie, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et je pense que la gouttière la nuit, bah, elle soulage.
on sait très bien qu'elle met un petit peu de hauteur à l'ATM, elle les soulage, elle protège un peu les dents, et puis en fait, elle amortit un peu les chocs. Donc ça, c'est pour les chocs dentaires. Et ensuite, après, bah, vous avez le positionnement des dents, c'est-à-dire que si quelqu'un a fait le diagnostic, un spécialiste diagnostique d'un problème sur une dent en relation avec des douleurs, qui n'est pas un problème médical de carie, de choses vraiment dentaires, mais qui serait un problème de positionnement des dents, alors là, c'est extraordinaire, parce que là, vous faites le traitement Smilers, vous déplacez la dent, et là-dedans, dès que vous l'avez déplacé d'un degré par une gouttière, le patient est immédiatement soulagé. Le plus dur, c'est de faire le diagnostic de la dent, de sa position. J'ai vu des gens qui arrivaient à me dire, même sur des moulages, voyant au niveau de la surface d'usure, bouge-moi celle-là. Bougez celle-là, immédiatement, il est bien. On fait ça avec des posturologues aussi. Je travaille avec une posturo qui est géniale parce qu'elle est passionnée. Et du coup, des fois, elle me dit, tu me bouges celle-là. Et quand je bouge celle-là, le patient, il tournait sa tête là. Celle-là, d'un seul coup, celle-là, elle tourne comme ça. Il ne bougeait pas, elle est partie par là. Une dent. Quel appareil peut faire ça? Seul des aligneurs. Donc bien sûr qu'il y a un engouement. Après, bon, moi, ça fait 19 ans que je ressens ça. Tout à l'heure, je vous ai montré un cas, j'ai fait il y a 15 ans. Je vous montre des problèmes d'ATM, des gens qui prenaient des médicaments qui ont diminué. Ils en prenaient tous les jours, ils n'en prennent plus qu'une fois par mois. On en a. Mais bon, c'est une science compliquée, la douleur faciale. Et moi, ce que j'aime bien, moi, je suis vraiment le spécialiste du déplacement des dents. Moi, ce que j'aime, c'est trouver quelqu'un qui me dit, bon, ben voilà, c'est celle-là. À ce moment-là, là, moi, je déplace la dent. Et ça, Smilers peut vous aider à déplacer la dent une fois que le diagnostic est bien fait. Parfait. Bah, écoutez, il y avait déjà beaucoup de questions. C'était tout. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous remercie à nouveau pour la qualité de cette conférence exceptionnelle. Merci de faire partie de ce team d'experts Smilers et c'est un réel plaisir pour nous. Je remercie tout le monde pour avoir suivi cette conférence et j'espère à très bientôt à tout le monde. Merci aussi, merci à vous tous et portez-vous bien. Faites attention à vous. Au revoir.